Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe, un Vive l'Europe spécial avec Serge Ayoub. Serge Ayoub, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie. Nous allons commencer en fait par te. En fait, j'ai un public très jeune qui me suit et donc ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas encore parmi les 18-25 ans. Donc, ça ne m'étonne pas outre mesure. Mais... Oui, c'est pas ça. Très bizarre, mais bon, ouais. Oui. Surtout que depuis 2-3 ans, tu es un tout petit peu plus discret, on te voit moins, clairement. Donc, je vais te poser des questions qui peuvent te paraître idiotes, mais qui sont généralistes, en fait. C'est-à-dire, la première, c'est, par exemple, qu'est-ce qui t'a conduit au nationalisme? C'est-à-dire, est-ce que c'est venu naturellement ou c'est un sentiment en toi? Comment en es-tu venu arriver? Alors, bon, je vais essayer de la faire courte, parce quand on demande pourquoi quelqu'un a un sentiment, ça remonte souvent à la naissance. Alors, on va pas faire tout mon historique, mais mon aïeul était instituteur, c'est-à-dire c'est hussard de la République au début du XXe siècle. Ouais. Ma famille est très soudée. Donc, j'ai hérité du livre qu'on appelle le livre du grand-père, qui était son livre de grammaire et de dictée. Les dictées, à l'époque, étaient édifiantes. Ouais. Et parlait essentiellement de république et de patrie. Oui. Donc, j'ai lu toute mon enfance, et je fais les dictées, hein, avec des thèmes pareils qui m'ont marqué. Donc, pour moi, la patrie, l'amour de son pays est une évidence. J'ai été construit là-dedans. D'accord. J'ai vraiment été édifié, c'est le terme exact. Oui, donc c'est vraiment... Il n'y a pas eu de basculement en toi, très très tôt, c'est venu, quoi. Ah, j'ai toujours aimé mon pays, c'est une chose naturelle, je veux dire franchement, c'est un très beau pays, les monuments sont magnifiques, le climat est bon, la nature est magnifique, la gastronomie, n'en parlons pas, elle est renommée dans le monde entier. C'est clair, c'est le pays de cocagne, hein, vraiment. Ben oui, on dit heureux. Les Allemands le disent, d'ailleurs, heureux comme un... Comme Dieu en France. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a surtout une histoire magnifique. Une histoire magnifique. 1500 ans d'un roman historique hors norme, d'épopée, de romantisme, de lutte pour la liberté. J'ai la chance d'être partie prenante d'un très grand peuple. Oui. Et je le pense vraiment. Quand je vois ce qu'ils ont été capables de faire en 40, c'est le seul peuple, on le critique, on le traite de collabos, de beaufs, etc. Mais c'est le plus grand pays d'Europe qui a résisté avec la Yougoslavie. Les autres ont accepté. Oui. La France n'a pas accepté. La France en 40, on la critique, mais le français, pas l'officier, pas les gouvernants, se sont battus sur la Somme. Oui. La bataille de la Somme entre les Allemands et les Français était une bataille sévère qui valait bien malheureusement au nombre de morts les scores de 14. Je parlais aussi de 14. Hein. Ouais. Si la guerre de 14 a été gagnée, c'est par la France et les Français surtout, par le poilu. Je sais que le Kronprinz disait pour la bataille de Verdun le nombre de soldats elle-même. Le niveau technologique est le même, le nombre de canons est le même. Ce qui va faire la différence, c'est le nerf. C'est le nerf des soldats. D'accord. Et Verdun était gagné par les Français. Les Français sont des gens en béton armé. Ce sont des gens qui ont refusé la reddition en 1870. Ouais. Oui, la Commune, c'est ça. Au début, c'est un soulèvement patriotique parce que les Parisiens ont refusé que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Qui fait ça? Il faut savoir qu'en... En 1806, les Français étaient acclamés par les Berlinois quand ils rentraient. Oui. Au pas à danser. Ouais, en somme, tu te sens héritier vraiment de toutes ces victoires passées, de cette lutte pour l'indépendance du pays. Ah non, j'en suis fier. Ouais. C'est beau. C'est beau la Révolution française. Oui. C'est beau que même si on sait début que c'est une révolution bourgeoise, un coup d'État, on comprend très bien, quand on voit que le peuple se met en armes, que le peuple se met à marcher, que plus rien ne l'arrête, jusqu'à Moscou, à pied. Ouais, c'est fou ça. C'est des épopées tout ça. Ouais. Les gens, quand on lit les textes, quand on voit la grandeur d'esprit, quand on voit qu'aujourd'hui,
On peut en penser ce qu'on en veut, mais quand un ministre américain ou un ministre français va à Pékin, oui, on parle des droits de l'homme, pensée française. Mmh. Oui. Et quand les Chinois viennent à Paris, on ne parle pas de confucianisme, tout le monde s'en parle. Oui, oui, oui. Mais oui, mais... Oui, oui, donc oui, il y a un triomphe de, ah, des idées qui venaient de la France, c'est sûr. La France a un rayonnement énorme. À l'heure actuelle, je vais te dire franchement, ouais, historiquement, politiquement, la France est la troisième Rome. Paris, la troisième Rome, pardon, ouais, parce que centralisme, pensée juridique, enfin, toute la conception. Et actuellement, ouais, ben, c'est Athènes, ouais, en termes d'idées politiques. Ah oui, oui, donc toi, l'aube dorée, vraiment, tu... L'aube dorée n'invente rien. Oui, oui, oui. C'est très bien ce qu'ils font, je ne critique pas, je ne connais pas bien. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé du social? Mais le socialisme non-marxiste est une pensée française. Oui, le nationalisme dont on va parler est une conception française. C'est un renouveau qui voilà, un renouveau dans un parti, puis il y en aura un autre. Mais c'est intéressant que tu parles de la Grèce, parce qu'on en parle très peu en fait. Toi, tu penses qu'il y a un bouillonnement actuellement en Grèce Ah, bah, de toute manière, c'est simple. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut être dans un état catastrophique. C'est sûr qu'ils sont dans la merde. Malheureusement. Voilà. Bah, la merde, bah, on veut en sortir, on se débat dans tous les sens, et bah, ça remue. Hein. Quand on dit la merde, ça éclabousse. Voilà. Alors justement, c'est l'occasion de dire là, on a compris ton sentiment nationaliste, mais après. Bon, c'est dur de le définir rapidement, mais comment, qu'est-ce que c'était pour toi, c'est pour toi le nationalisme, c'est-à-dire quels est vraiment tes postulats en termes d'économie, d'immigration, tu définis comment, comme un nationaliste, comme un patriote, comme un socialiste, tu vois. C'est vrai que c'est très long, hein, c'est large, tu peux prendre ton temps, mais c'est la question la plus importante en fait. Oui, bah écoute, je suis nationaliste, oui, c'est-à-dire que je défends le concept de nation, mm-hmm, parce que je pense qu'il est le plus à même de défendre le droit des Français, oui, des travailleurs français, parce que ceux qui font vivre un pays sont des travailleurs. Oui. Et les droits sociaux des Français. Je m'explique simplement. Si demain la France n'existe plus, oui, c'est l'Europe ou le monde, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, oui, oui, ce pays sans frontières, enfin ce monde sans frontières, quelle sera la loi? À l'heure actuelle, aujourd'hui, je vote pour des députés, mmh, qui eux-mêmes votent pour faire des lois. Oui. Ces lois sont faites dans le cadre du droit français, de la pensée française. Par exemple, on a voté la sécurité sociale, mmh, c'est le CNR, hein, qui l'a instauré, dont je me sens directement héritier. Ouais, ok. Le Conseil national de la résistance. Ouais, ouais, ouais. Qui a décidé que quand on était français, si on tombait par terre, ouais, eh bien on viendrait avec une ambulance, on vous amènerait à l'hôpital et on vous soignerait, sans vous demander si vous avez les moyens financiers, simplement parce que nous sommes français et on se le doit. Mmh. Aux États-Unis, ce n'est pas la pensée du tout. C'est sûr. L'Obamacare, qui était de la merdouille, qui est un ersatz d'ersatz, hein, oui, oui, et a été refusé par les Américains qui pensent que c'est du communisme, que c'est inimaginable. C'est leur pensée, je ne le critique pas. Mais pour nous, Français, c'est inimaginable de ne pas être soigné. Les gens oublient souvent que c'est une situation particulière et que la France est... Ben oui, mais c'est en ça que c'est merveilleux d'être Français. Ouais, ouais. Et moi, j'ai un ami qui avait une leucémie. Mm-hmm. 200 000 euros, ça coûte. Ouais. En gros, il est en France, il crève, quoi. Exactement. Ouais. Un exemple concret, je vais le faire très vite. Les pompiers américains qui étaient sur les deux tours jumelles qui sont effondrées, sont allés chercher les gens pour les sauver. Ils se sont intoxiqués par les poussières. Mmh. Ils ont l'équivalent de cancer à cause de ça. Ah oui, mais l'assurance, ça ne couvre pas. Ouais, ouais. Alors, ils meurent dans leur lit. Ce sont des héros, ces gens-là. Parce que quand on est prêt à risquer sa vie, que d'ailleurs on la perd pour sauver la vie d'autres personnes, eh bien, ouais, on a le droit à tous les égards. C'est normal, bien sûr. Non, pas là-bas. Donc, alors, dans ce cas-là, je t'en prie. Je continue. C'est important quand même de dire, parce que aujourd'hui, on va vers de plus en plus de libéralisme, même dans les discours des nationalistes, alors que finalement, tu n'évacues pas du tout la dimension sociale et même les acquis sociaux, même de la gauche, une époque. Ouais. Ah, mais... Il ne faut pas réfléchir en termes de droite ou de gauche. Ouais. Réfléchir en français. Et d'ailleurs, le nationalisme, le grand problème des nationalistes français, c'est qu'ils imposent une idée. Mm-hmm. Ça, la nation, c'est ça, les Français, c'est ça, ils ne comprennent pas ci, ils ne comprennent pas ça. Mais non, mais les Français n'ont pas à comprendre, toi. C'est toi qui, si tu veux être un chef, tu dois les comprendre et les écouter.
C'est l'inverse. Alors du coup, quelque part, beaucoup de nationalistes français, dans les groupuscules les plus divers et variés, les plus groupusculaires, voire corpusculaires, ne parlent pas français, ils parlent allemand. C'est pour ça que le français n'écoute pas. C'est pour ça que ça restera groupusculaire. Donc je continue sur mon truc. Cette loi sera française tant qu'il y aura... En France, quand il n'y aura plus la France, quand il n'y aura plus de députés, quelle sera la loi? Qui donnera la loi? Ben, ça sera sûrement l'Amérique. Ou l'esprit américain. Et on mourra dans les rues comme des merdes parce qu'on n'aura pas assez d'argent sur notre carte bleue. Oui, finalement, le nationalisme était une réaction de survie, un rempart contre le mondialisme. C'était un rempart pour le peuple, mais, contre le mondialisme actuellement, mais c'est la protection d'un peuple qui se conçoit comme il est. Comme il veut être. Et le français, et c'est marqué, et c'est important, il y a liberté, égalité, fraternité. Oui, ben, c'est des concepts. Non, ce sont pas des concepts. C'est en vérité l'ADN du français. Liberté, qu'est-ce que ça veut dire français? Franc, ça veut dire libre. C'est pas soumis, hein. C'est libre. Liberté, pour un français, c'est énorme. L'égalité, on voit bien. Si on parle avec, je joue facilement cet exemple, si on parle avec un français moyen, il vit en Auvergne, les loyers sont moins chers, la bouffe est un peu moins chère. On va dire, bah, écoute, tu vas toucher moins que le Parisien, on va dire, mais ça va pas. Hein. Même travail, même salaire. L'égalité, c'est très important. D'ailleurs, l'égalité, c'est important pour la liberté. Je suis aussi libre qu'un autre, ni moins d'ailleurs. Ni plus, ni moins. C'est ça, c'est important. Et la fraternité, qui est une forme de solidarité qui est spéciale, parce qu'on critique la fraternité, mais fraternité, ça vient de fratrie, de même sang. Oui, c'est sûr que les mots en eux-mêmes sont beaux et ont une valeur... Mais ils sont... Quand on critique la République, c'est pour ce qu'elle est devenue, c'est pas tellement pour la beauté de ces concepts qui, en fait, en soi, sont très beaux, comme notamment la fraternité. On peut toujours critiquer tout, les gens critiquent, la République, c'est pas bien, il faut arrêter la République. Bon, déjà, je parlais avec certains mouvements nationalistes et ça me fait sourire. Si c'est pas la République, c'est quoi? C'est la monarchie. Parce qu'il n'y a que deux régimes dans le monde, il n'y en a pas trop. Ah, vous voulez la monarchie? Quelle est la différence entre l'une et l'autre? C'est la dévolution du pouvoir, c'est-à-dire que l'un donne son pouvoir à son fils, et l'autre à une élection. Bon, moi je préfère avoir une chance que mes idées soient élues, prises, plutôt que ce soit un fils dégénéré ou un fils bien, mais s'il est bien, tant mieux. Et puis, de toute manière, on critique République et monarchie, mais la République, ça ne veut rien dire. Oui, c'est d'ailleurs, ce qu'on en fait. Oui, bien sûr. Exactement. La République socialiste soviétique, la République sociale italienne de Mussolini, la République d'Allende, la République de Pinochet, la République française actuelle. Je comprends la dichotomie que tu opères. En fait, tu as raison sur les deux. Soit, en fait, le pouvoir vient de Dieu, soit il vient des hommes. Dans ce cas, c'est une République. Et c'est tout. Et après, c'est des modulations, finalement. Oui, et le gros problème de Dieu, c'est qu'on parle de lui, mais on ne demande pas son avis. D'accord, je pense que ça délimite bien ta pensée nationaliste. Alors, Serge, j'ai une question par rapport à ton identité. Le fait que tu aies des origines libanaises, est-ce que tu as été accepté parmi les nations en dépit de ces origines? Est-ce que tu as ressenti un racisme ou au contraire une fraternité dans l'idéologie? Alors, je vais être franc. Mais d'où je suis libanais? Alors, si c'est faux, tu me le dis et on en passe à autre chose. C'est Wikipédia qui le dit. Ah, voilà. Si c'est Wikipédia, j'ai eu peur. C'est faux. Alors, je reformule ma question. les nations qui pouvaient penser que tu avais des origines extra-européennes, est-ce que tu as senti au départ, quand tu as poussé de leur côté, qu'ils étaient racistes, qu'ils te mettaient de côté, ou au contraire une fraternité? Bah écoute, c'est complexe. Il y a des gens, évidemment... mon nom n'est pas Berrichin. Tu sais, moi je m'appelle Conversano, donc t'inquiète pas là-dessus. Non, mais c'est pas un problème pour moi. L'histoire personnelle de ma famille fait que je m'appelle ainsi et je l'assume entièrement. Mon nom véritable et normal devrait être Guichard. D'accord. Je suis né Guichard et ensuite, pour des raisons diverses et variées, n'intéresse personne d'ailleurs, je me suis appelé Alioub. J'assume entièrement, dont je me fous royalement. Certaines personnes m'ont le reproché. Pourquoi? Parce que... Et là, c'est politique, c'est des raisons politiques.
Ouais. Bon, imagine-toi, j'ai été jeune, j'ai été skin. Oui. Bon, ça n'a aucune importance, mais en vérité, j'étais quelqu'un qui était capable, pour ses idées, pour ce qui est juste bon, de se battre et de se mettre en danger. Oui. De risquer sa liberté, de risquer sa vie. Forcément, ça attire le respect, bien sûr. Et en plus, j'ai gagné. Autour de moi, ouais. J'ai toujours eu du monde et j'ai fédéré. Des noyaux durs qui d'ailleurs m'ont permis de gagner. Oui. Je suis donc naturellement depuis 30 ans dans la rue. C'est-à-dire non pas parce que je suis un railleux, loser, mais parce que je suis un combattant nationaliste. Et que le peuple est dans la rue, dans le milieu du travail, c'est là où je suis. Ouais. J'ai pas besoin de salon et j'ai pas besoin non plus d'un ordinateur, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et on m'a suivi. Oui, c'est ça, ensuite, je parle. Ouais. Et je parle convenablement. Mmh. Alors, je suis pas un idiot. Alors imagine-toi, je réfléchis, je m'exprime, j'agis, c'est beaucoup. Oui, tu veux dire c'est difficilement critiquable. Du coup, on cherche quelque chose. Parce qu'en face de nous, on a souvent des gens dans les groupuscules, et c'est partout il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Hein, c'est normal d'ailleurs. Bon, j'essaye de m'imposer mes idées. Il y a un mec que je n'apprécie pas parce qu'il impose les siennes. D'ailleurs, c'est une concurrence saine. Hein. Ouais, ouais. Alors, si je ne peux pas m'élever, ben, je le rabaisse. Ouais. Comme ça, j'ai l'impression de monter. Ouais, ouais, c'est tout. Je comprends. Ce sont des critiques simples qui n'ont aucune importance et qui ne me remettent pas en cause. D'ailleurs, les gens qui me suivaient n'en avaient rien à foutre. Ouais. Et ceux qui ne voulaient pas me suivre, trouvaient une bonne raison. C'est simplement ça. Non, mais d'ailleurs, c'est une bonne guerre et je m'en tamponne. Ouais, preuve en est, je veux dire, une chose sur l'efficacité. Hein, de ce genre de propos, je me suis permis pendant 3-4 ans d'organiser la Jeanne d'Arc. D'accord. Ouais. Sur cet événement, avec plusieurs, bien sûr. J'en faisais partie, et j'étais partie prenante. Oui, je comprends. Comme tu es inattaquable sur certains points, ils essayent de passer sur les côtés. Bien sûr. C'est de bonne guerre. Exactement, je ne critique pas, je termine ma phrase. Oui, je t'en prie. Quand on l'organisait, on était entre 1000 et 1500. Maintenant, nous ne l'organisons plus, et d'autres le font. Je t'invite à aller au défilé de Jeanne d'Arc et de compter de personnes, ça ira vite. Oui, je pense vraiment que c'est ce qui te rend pour moi le plus respectable, c'est que tu as réussi vraiment à mettre des gens dans la rue. À une époque, pourtant, l'opinion publique n'était pas aussi convaincue par les idées nationales qu'elle est aujourd'hui, parce qu'à travers le vote Front National, on voit que les gens en ont marre. Et il y a 5-6 ans en arrière, tu as réussi vraiment à... Bah, disons, voilà, ouais. Je suis arrivé... Je suis revenu en France, vivant en Lituanie et en Russie. Ouais. Et je suis revenu en France parce que ma mère est âgée et qu'elle a besoin de son fils, comme son fils a eu besoin d'elle quand il était enfant. Ce qui est une chose naturelle dans une famille normale. Donc je reviens, je fais un bar pour vivre. Hein. Je suis obligé d'être patron parce que je ne peux plus être employé. Hein. Et de moins en moins, depuis l'affaire Garrigue, je suis catapulté dans la stratosphère. En termes de. Je suis googlisé par les employeurs, donc c'est mort. Ouais. Je suis contacté par des nationalistes qui me disent on aimerait bien faire un local et le faire au marché par des cotisations. J'expose dehors, j'ai dit ça ne marchera pas par des cotisations, ça marchera par un système ludique qui est de consommation. Ouais. Parce qu'on est dans un monde de consommation, attention. Ouais. Ce local a marché 6 ans. Ouais. Jusqu'à la dissolution de ce local par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a voulu. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est à la fois dégueulasse et un honneur d'arriver au niveau gouvernemental. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit, Soral était partie prenante et d'autres disaient, Serge, je ne peux pas donner trop l'adresse, sinon on va être attaqué par l'extrême gauche. Oui. On appelle les Antifa. Ce qui est probable, effectivement. Et parce qu'à l'époque, la réputation de Paris était d'être rouge, comme disaient des antifas partout, ils régnaient soi-disant. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait une interview pour une radio italienne, et j'ai donné l'adresse du local, j'aurais dû venir. D'accord. Ils ne sont jamais venus. Oui, oui, oui. Et du jour au lendemain, et d'ailleurs, c'était la force de ce local.
on s'est aperçu qu'on pouvait aller dans un point patriotique sans qu'il soit attaqué, qu'on pouvait y aller sans être attaqué, et qu'après on pouvait se dire, eh bien, qu'on pouvait assumer ce qu'on était, et on a pu renverser la tendance. Et c'est pour ça que je parlais du défilé de Jeanne d'Arc, ouais, qui était aussi le CNFM qu'on avait groupé ensemble. Je me souviens que la première année où j'y étais allé en venant, il y avait plus de contre-manifestants que de manifestants. Mm-hmm. La deuxième année, quand je l'ai organisé, c'était équilibré, il n'y a pas eu d'attaque. Mm-hmm. La deuxième année, on a pu défiler, on était beaucoup plus nombreux qu'eux. Et en 3 ans, eh ben, il n'y avait plus de contre-manifestation du tout. Okay. Il n'y avait plus d'antifa. Et pourtant, ils avaient rajouté la CGT, les sans-papiers, les syndicats, ils avaient tout rajouté. Et à la fin, ils faisaient un petit point de fixation à Opéra, où j'étais 50 avec des gens qui jouaient du tambour et qui crachaient du feu. Et l'année suivante, il n'y avait même plus de cracheur de feu. Avec des gars, tu as réussi à installer un événement ex nihilo, quoi. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas ça, on a réussi à renverser une tendance. Oui. Voilà. Bon, tu as eu un passé de skin pendant très longues années. Qu'est-ce qui t'a éloigné de ce mouvement skin? Tu as été déçu du fait que ça soit plus politisé? Tu voulais passer à autre chose? Bon, déjà dire que le mouvement skin n'est plus ou pas politisé, c'est une connerie monumentale. Ouais, tu penses qu'il l'est toujours autant, quoi? D'ailleurs, c'est le seul intérêt de ce mouvement. Ouais. Parce qu'un mouvement de jeunes qui aiment que la musique, c'est comme si, ouais, moi je suis jeune, je sais pas, je me fais une coupe. C'est folklore, quoi. Non, imagine-toi, oui, moi j'aime cette musique-là, telle musique, on va dire punk, ou autre chose. Alors tu t'habilles comme ça, tu aimes ça parce que tu aimes ce type de musique. Alors imagine-toi, tu crées notre mode, moi j'aime les brocolis. Moi, mon idée, c'est brocolis. Pas du tout épinard. Oui. C'est pas un débile, ça, non? Parce que c'est un goût. Un goût musical est un goût. Oui. Ah, moi, je suis daube. Hein. Moi, je m'habille daube. Je pense daube. Ah, d'accord. Boulet, toi. Ouais. L'avantage du mouvement skin, ouais, sur tous les autres mouvements, parce que, contrairement à ce que tout le monde dit que les skins sont des cons, c'est le mouvement le plus intelligent qui soit. C'est lui qui a compris le concept. Oui. C'est-à-dire de faire un mouvement concept. Le nationaliste, la gauche, ne l'avait pas compris. Oui. Un look, une musique, une façon d'être, tout. Tu peux vivre du début à la fin. Skin, t'as des marques, skin, tout existe. Oui. Ça n'existait pas avant. Quand tu étais nationaliste, quand j'ai connu, il fallait un pervers, un flight, et puis voilà. Et écoutez, j'en passe mes frais, l'horreur, quoi. J'en passe mes frais, mais bon, c'est pas passionnant. Oui, oui, oui. Et écoutez les Valkyries ou les chants de la Légion, c'est un peu léger pour s'éclater, quoi. C'est pas très d'amour. Les skins, c'est un univers total, en fait. Ils l'ont inventé, cet univers total. Oui. C'est déjà énorme. Ouais. Ensuite, ils ont inventé autre chose. Et là, on a été partie prenante. Ils ont dit qu'il fallait parler de nous. C'est-à-dire que c'est la première fois que des bandes sont allées sur le plateau télé. D'accord. Exprimer leurs idées. Mmh. Jamais ça s'était fait avant. Les autres, ils erraient dans leur bar, ils faisaient des bagarres dans des concerts, ils ne sortaient pas de leur tanière. Et puis, il y a encore, troisième point encore plus important, c'est qu'on parle de musique, mais il est novateur tout le temps. Il a commencé par écouter du reggae, puis après il a écouté du ska, de la punk and roll, de la oi, du rock, et certains sont techno, d'autres machin. C'est un mouvement évolutif, et les gens qui évoluent ne sont pas des cons. Oui. Parce qu'ils évoluent avec la mode du moment, ils se sont adaptés à leur temps. Les dinosaures sont des gens sympas, mais ils sont plus adaptés. Et puis continuer, c'est beaucoup plus important encore, toujours pour le mouvement skin, mais les gens ne comprennent pas. C'est que c'est le seul mouvement qui, dès les années 60, a compris ce qui allait arriver. D'une façon populaire, d'une façon instinctive. Ils ont compris, et d'ailleurs, c'est le lien commun entre tous les skins, même opposés politiquement. Oui. Parce qu'on se dit, tiens, il y a des skins de gauche, des skins de droite. Ce qu'on appelle de droite, c'est la vérité, il n'y en a pas de droite, il y a des nationalistes. Oui, oui. Et puis il y a des skins apolitiques qui aimeraient la musique, comme les brocolis. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, à part une coupe de cheveux et un peu de musique? Ils ont une façon de comprendre le monde. Oui, un rejet du système global, quoi. C'est pas, oui, mais le rejet du système, plein de gens l'ont. Quand on a de l'acné, on n'aime pas ses parents, ça ne veut rien dire, ça. Ouais. Rejet du système, quelle belle phrase. Ouais. Au début des années 60,
il y a un personnage politique en Angleterre qui est important, dont on ne parle pas, et qui fait le mouvement skin. Mmh. C'est Enoch Powell. Et cet homme politique a failli être qui était un leader conservateur. Il faudrait que je vérifie le nom. Ouais, puis on le mettra en bas. Ouais. Voilà, parce que bon, le mouvement skin n'est pas l'alpha, c'est pas le seul objectif de ma vie, mais j'ai quand même une certaine culture, et même dans ce milieu-là. Oui. Il avait dit à la BBC, alors qu'il était, il devait être Premier ministre, que si ça continuait comme ça, dans 30 ans, les Anglais seraient au chômage et qu'il y aurait une véritable guerre civile avec les populations immigrées. Ça fait un scandale et il n'a jamais été Premier ministre. Il faut quand même rappeler aux gens qu'à l'époque, c'était quand même visionnaire parce qu'il y avait si peu d'immigrés que les gens devaient le prendre pour un fou. Exactement. Et moralité, comme il était viré, il a été soutenu par des gens et par qui ? Par les dockers, les déménageurs, par tous les prolos anglais qui ont compris qu'ils étaient virés de la société anglaise. Oui. Et notamment la jeunesse. Cette jeunesse-là a donné les skins. Dans les années 60, c'est ça. Et d'ailleurs, ce même homme politique a été interviewé par l'ORTF. Parce qu'il parle particulièrement. Comme tous les Anglais cultivés par les Français impeccables. Ouais. Et on l'a étonnamment interrogé sur la violence des skinheads en 1970. D'accord. Comme quoi, mon raisonnement n'est pas fou. Et on voyait un petit reportage de skin, un skin noir et un skin blanc ensemble. Et on leur demandait pourquoi il y avait eu autant de morts chez les Pakistanais. Un certain nombre de morts et d'agressions, 300 agressions dans l'année. Le blanc disait à côté du noir, skinhead tous les deux, parce qu'il pue. Brutal, corrosif, en téflon. Ouais. On dit, mon Dieu, les cons. Il s'était pas à croire que le noir ne se souvenait plus qu'il était noir et que le blanc était daltonien, qui n'a pas compris que le skin à côté était noir. Pas du tout. En vérité, c'est beaucoup plus fin que ça. Il est expliqué parce que c'est vrai, les noirs anglais sont souvent jamaïcains. Ils boivent de la bière, ils vont au pub, ils draguent les mêmes meufs, ils écoutent la même musique. Culturellement assimilé. Complètement. Tandis que le pakistanais à l'époque parlait pakistanais, se mariait avec des pakistanaises, allait à la mosquée sans aucun contact. En vérité, ce qu'a dit le skin, c'est une phrase qui est multimillénaire, à Rome, on doit vivre comme un Romain. Bien sûr. C'est ça la différence. Et contre, il avait compris une chose énorme, c'est que le problème de la fin du XXe siècle, ça serait la montée du communautarisme et l'explosion de la nation. Ouais. Et ça, c'est le skinhead qui l'a compris. Oui. Pas l'anarcho-punk, pas le baba psychédélique, pas ces gens-là, ils n'ont rien compris. Eux l'ont compris. Et c'est en ça que le mouvement skinhead est un mouvement très, très intéressant. Oui. Et que les autres ne sont que des épiphénomènes. Oui, je comprends. Ouais. Ouais. En fait, la marginalisation sociale de certains pauvres qui sont devenus skinhead a été pour eux un prélude à une conscientisation politique. Ils ont compris avant les autres où est-ce qu'on allait aller. Bien sûr. Il y a eu une vision. Après, on se moque d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy disait que ceux qui ont fait le Brexit étaient des crétins, c'était la loi du crétin, etc. On se moque toujours de la pensée populaire. À croire que parce que si on n'est pas riche, on est un con. Oui, c'est ça, ouais. Mais non. D'ailleurs, tiens, d'une façon parallèle, ce monde de l'argent qui est extrêmement primordial. Eh bien, il implique que la France ne soit plus un aussi grand pays. Je m'explique. La pensée du profit est une pensée anglo-saxonne, héritière du protestantisme, etc. Ouais. Pensée anglo-saxonne. Dans un monde anglo-saxon, évidemment, les anglo-saxons dominent. Avant, la France dominait parce que c'était l'honneur. Oui, ça détruit notre âme, en fait. On ne combat pas dans les mêmes catégories. Dans la catégorie de l'honneur, il y a toujours un Français. Mais à travers l'histoire, il y en a 20 000 points. Chaque fois qu'il y a de l'honneur, il y a des Français. Chaque fois. Partout où il y a de l'argent, il n'y a pas forcément des Français. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'espère que les gens comprennent là l'idée de ne pas jouer à armes égales. C'est-à-dire qu'en fait, on ne joue pas avec nos armes de prédilection, donc on perd. On ne cesse de perdre et ça s'accroît en fait. Bien sûr. Ouais. Mais. Et c'est ça notre chance. Ouais.
l'ultralibéralisme montre ses limites. Mmh. Alors qu'est-ce qui va rester quand ça va exploser? Mmh. Ben, autre chose. Et cette autre chose, ça peut être nous. Eh oui, bien sûr. Nous, en tant que Français, hein. Ouais. Voilà, en tant que pensée française. Les hommes d'honneur sont toujours là quand il y a un problème. Et ce sont eux qui tiennent. Oui, oui, oui. Voilà. Pour boucler sur le thème des skinheads, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une forme de, un peu de mépris chez certains nationalistes à déconsidérer vraiment les skinheads, mais tu oui, vois, par rapport au look, etc. Mais parce que parce que ils ne comprennent rien. Ouais. À quoi tu reconnais un nationaliste à l'heure actuelle? Il porte un Fred Perry, skin. Ouais. Des choses très courtes, voilà, skin. Ouais. Peut-être des Samba, ou c'est des baskets, Adidas, skin. Ouais. Ou une Ben Sherman, skin. Ou un Harrington. Ou un Bomber, skin. Mm. Il écoute quoi comme musique? Du riff. Du rack sans les couilles. Mm. Et il est entièrement tenu. Et ceux, les gens qui critiquent n'ont pas créé d'autres modèles. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Les critiques est aisée, l'art est difficile. Hein. Voilà, ils critiquent, malheureusement, et en plus, d'ailleurs, c'est une grande erreur de critiquer le mouvement skin, parce que c'est un mouvement de masse. Oui. Alors, ils se disent élitistes. Alors, c'est facile d'être élitiste quand on est trois. Oui. On le dit, en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais skin, c'est une armée. Oui. Et même s'ils étaient intelligents, c'est un lobby. Le mouvement skin existe en France, on fait une analyse, depuis les années 80. Il y en a des milliers par an qui commencent et qui arrêtent. On est en quelle année? En 2016, ouais, c'est vrai. Combien il y en a qui ont 40 ans, 50 ans, 30 ans, qui sont des anciens skins, qui ont connu les skins, qui ont la pensée skin, et qui demandent qu'à, non pas à reprendre un bombeur, mais à suivre les idées qu'ils ont toujours eues. Ouais. C'est à eux qu'il faut parler. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui s'imaginent qu'il faut refaire venir le roi ou une reine ou un grand mamamouchi. En fait, on a l'impression que ces nations sont bloquées sur des oripeaux du fascisme ancestral. Et donc, ils disent, bah, si un tatouage, c'est moche, c'est plus l'esprit allemand, tu vois, ce genre de truc. Quoi. Bah, déjà, l'esprit allemand n'est pas l'esprit français, donc j'en ai rien à capter. Ensuite, le gros problème, c'est qu'essayer de transformer, avoir le culte de la défaite et d'en faire une victoire, Adolf Hitler, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Oui. Et même pour l'Europe. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on est un nationaliste français, oui. On est catégorisé en 5 minutes en Asie, en camp d'extermination, en ennemi de l'humanité. Attends, pardonne-moi Serge, ça c'est parce que Hitler a perdu la guerre. Je veux dire, c'est pas théoriquement que... Voilà. Bah oui, mais c'est la défaite. Non, c'est l'histoire. Vae victis, hein, c'est un Gaulois qui disait, déjà et d'une. Quand on déclare la guerre, mon ami, il faut la gagner. Ouais. Non, mais moi, je suis pas pour la guerre, je ne déclare pas. Oui. Je ne rentrerai même pas dans le caractère obsolète de la pensée... de ces moments-là. Parce que si on fait une analyse, pourquoi, indépendamment de tout, on est froid, hein, pourquoi le nazisme et le fascisme ne pouvaient pas perdurer? Ouais. Ben parce que dans les années 20-30, moi je regarde Internet, je suis comme tout le monde, et puis j'essaie d'avoir une petite culture politique. Au Canada, les tenants d'une autre idéologie, libérale, parlaient d'un nouvel ordre mondial. Oui. Et Mussolini parlait de refaire le Mare Nostrum, d'avoir des colonies, alors qu'eux étaient dans une phase de décolonisation. Oui. La phase de décolonisation qu'on vit actuellement, c'est-à-dire avec de tenir les gens par des... par une dette colossale, etc. Donc, avoir une mainmise. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Roosevelt? Il a dit « je vais aider l'Angleterre contre l'Allemagne si elle refuse, si elle renonce à ses colonies. » D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, elle a renoncé à ses colonies, elle a tenu ses engagements. Ouais. Alors que les Américains n'ont jamais eu d'engagement. Leurs engagements. Ouais. Et ben, c'est la confrontation de deux mondes. Mmh. Un monde du 19e siècle avec un monde pré-21e. Parce que là, le nouvel ordre mondial, on est en plein dedans. Ouais.
Oui. Il le pensait en 1930, alors que Mussolini pensait encore à faire des colonies comme on était à la fin du 19e siècle. Ouais, ouais. Ça, c'est un choc de conception du monde. Ouais, je comprends. Et ça ne peut pas marcher. Cette grille ne fonctionne plus aujourd'hui. Ouais. Oui, ça ne peut plus fonctionner. Ouais. Et d'ailleurs, le monde a changé. Imagine-toi, alors on va prendre toujours Mussolini, hein, par exemple. Ouais. Dis tiens, on va se mettre en chemise noire. C'était moderne. C'était le temps des chemises à carreaux, le temps des chemises brunes, etc. Les ouvriers étaient en chemise, tout le monde était en chemise. Adéquation avec le temps. Oui, oui. Imagine-toi, il dit, comme si on pensait qu'il fallait revenir au fascisme maintenant. Et si on se mettait en culotte et en bas de soie? Ouais, avec un jabot, oh, super idée, c'est classe le jabot, et puis bon, c'est bien italien. Ouais. Ridicule, comme Napoléon. Oui. C'est ridicule, un siècle à peine avant. Hein. Ouais. Et oui. Là, on est en 2016, on est presque à un siècle du fascisme. Oui, oui, oui. Bon, ben, on va pas se remettre en chemise noire, c'est fini. Oui, oui. Et ben eux, ils sont sous quoi ? Ils regardent le monde dans un rétroviseur. Mm. Après, ils se demandent pourquoi ils se fracassent contre un mur. Ben, regarde pas derrière. Hein. Oui. Ouais, ouais. C'est des erreurs de pensée. Et je ne rentre même pas dans la pensée du fascisme, du nazisme, ou du communisme. Oui. Je rentre pas là-dedans. Là, tu parles d'anachronisme. C'est un anachronisme, ouais, ouais. Voilà. Et ils sont anachroniques. Mm. En vérité, parce que ils ont pas la volonté. Qu'est-ce que c'est de faire de la politique ? C'est la recherche de la réalisation de l'objectif. Oui. Eux, ils cherchent à exister et à rêver. Et c'est un monde romantique alors que la politique est pratique. Oui, je comprends. Ce sont des romantiques. Mmh. Oui, c'est pas gentil ce qu'on a fait aux Vendéens. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Ça ne change rien à ce qui leur est arrivé et à ce qui nous arrive maintenant. Et oui, ça ne changera rien. Mmh. Voilà, on ne refait pas l'histoire. Oui. On l'a fait. Oui, je comprends, je comprends. J'ai une autre question dans cette première partie. Tu mets en avant l'idée que l'histoire se fait essentiellement par la grève générale, hein, que le peuple arrive à imposer par sa volonté des choses au gouvernement. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de nos jours où les masses sont un peu anesthésiées ? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que l'histoire se faisait par des grèves générales. Je dis que l'histoire se faisait par des... je pense, hein, je dis pas... Je constate que l'histoire se fait par des gens qui se donnent les moyens, à un moment donné, de se servir du moment. En tout cas, que c'est un levier, que la grève générale du peuple est un levier pour... Mais à l'heure actuelle, qui a fait des grèves générales ? Pas grand monde. Ouais. Donc c'est pas vraiment le levier. Le levier, on va donner un exemple concret, hein, historique, français d'ailleurs. Ouais. La Révolution française. La Révolution française, c'est la volonté d'une classe... dominée, qui a les moyens d'être dominant, de le devenir. D'accord. La bourgeoisie vire une classe obsolète, voilà, qui est l'aristocratie. Pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, ça lie au peuple. Parce que quand on a l'argent, on n'a pas forcément les couilles, eh bien, on n'a qu'à payer des gens pour... Ouais. Ça, c'était le début, c'est 89. Hein. Ce que je dis, historiquement, la police française, hein, royale, a arrêté quelques personnes qui avaient une pièce en or sur eux. Okay. Une pièce en or, à l'époque... C'est pas courant. Donc certains étaient payés. Ça a bien marché jusqu'en 93. D'accord. Où là, malheureusement, la bourgeoisie s'est fait catapulter dans la stratosphère. Parce que le peuple, sans culotte, ont pris le pouvoir. Ouais. Et d'un coup, ce Robespierre que tout le monde critique, la terreur pour qui ? Pour les bourgeois. Pas pour les sans-culottes. Oui, bien sûr. Pas pour le peuple. Oui, mais dans le nationalisme, on critique beaucoup Robespierre. Mais Qui a fait la loi sur le maximum? C'est lui. Oui. C'est le seul. Oui, tu sais, contre la spéculation. Mais oui, contre les royalistes. En fait, on l'a mort contre Robespierre, parce qu'il incarne l'athéisme un peu rationnel. Quelle stupidité que de dire que Robespierre est un athée. Oui, oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Hein, c'est complètement idiot. Mais c'est l'image qu'il a. Il est pour le culte de l'être suprême, pour Dieu. Il pense qu'entre Dieu et l'homme, il n'y a pas besoin d'avoir tout un clergé couvert d'or et de rubis. Ouais. C'est tout. Le culte de l'être suprême, c'est Dieu l'être suprême. C'est Dieu. Ouais. Il n'est surtout pas athée, lui. Surtout pas. Lui, il ne l'est pas. Ouais. Pas grande importance, mais c'est une erreur historique. Ouais, faut le dire. La loi sur maximum, c'est lui. C'est lui qui a interdit, qui a fait interdire les sociétés secrètes. Ouais. Oui. C'est le seul. Ouais. C'est lui qui, en 9 mois, a rétabli à peu près l'économie et a rétabli
Eh bien, l'ordre dans les, sur les frontières. Ouais. Parce que moi, en tant que nationaliste, on dit, mon Dieu, il a éradiqué la chouannerie, il les a massacrés, les colonnes infernales. Apocalyptique, on est tout à fait d'accord. Ouais. Mais réfléchissons en nationaliste et à l'époque. Ouais. Parce que la patrie en danger, c'est eux. Le mot nation, c'est eux. C'est toujours les sans-culottes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Avant, on était sujet du roi. C'est autre chose. On pouvait être allemand et sujet du roi de France. Hein. Il y en avait d'ailleurs. Quelques petites bourgades. C'est pas la même chose. Ouais. L'idée de nation, de nationalisme, vient de là. Ouais. D'ailleurs, on s'appelait, Babeuf appelait ses collègues patriotes. Ouais. Citoyens et patriotes, on s'appelait. Hein. C'est pas anodin. Ouais, ouais, ouais. C'est du militantisme fort. Pour revenir, quand il a combattu le problème vendéen, la contre-révolution, il faut comprendre que la France est en guerre sur toutes ses frontières. Ouais. Et que un groupe de Français, armé et financé par l'étranger, en guerre, attaque les Français. C'est-à-dire que, imagine-toi en 40 ou en 14, que pendant que les poilus sont sur la Marne ou à Verdun, en Auvergne, le Kaiser finance un mouvement pro-allemand et qui attaque l'armée française dans le dos. Ouais. Comment ça aurait fini? Fusillé. Ben oui. Parce que quand t'es armé par l'étranger en guerre, parce que l'Angleterre était en guerre contre la France, faut pas l'oublier. Hein. Quand t'es armé et financé par ton ennemi pour attaquer ton propre peuple, en temps de guerre, oula, c'est tendu. C'est une affaire sérieuse. C'est tendu. Il peut comprendre qu'il est mal perçu. Après, c'est des guerres idéologiques. Ouais. Donc, moi, je rentre pas. Moi, je suis un républicain de formation. Je ne rentre pas, je veux même pas rentrer, c'est savoir si je suis républicain ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est important. En fait, pour revenir juste à ma question, la dernière fois qu'on a vu un soulèvement de masse, si on peut dire, c'est, en termes de nombre, ça a été la manif pour tous, il y avait vraiment beaucoup de gens dans la rue. Est-ce que tu penses que quelque chose peut venir de la rue ou en notre époque c'est pas possible? Alors, c'est une grande question, hein, c'est dur à dire. Alors, pour l'instant, les mouvements de rue, c'est horrible hein, ce que je veux dire, ils ne sont pas populaires. Ouais. Le peuple n'en a plus rien à foutre. Ouais. Le peuple, il a faim. Le peuple, il a un problème concret, intelligent. Parce que lui, c'est pas, il n'a pas besoin d'idéologie. Lui, il est concret. Est-ce que je suis au chômage? Est-ce que je ne suis pas? Est-ce que je vais l'être? Est-ce que mes enfants ont un avenir? Est-ce que je suis ruiné? Est-ce que je vais être soigné dans 10 ans? Est-ce que je vais avoir ma retraite? Tu vois, c'est important. D'ailleurs, c'est les choses les plus importantes dans la vie. C'est pas de savoir si l'amour doit régner, si que l'amour est plus fort que la haine. Ça, c'est l'esprit Bataclan. C'est autre chose. Ce sont d'autres gens. Lui, ce qu'il veut, c'est que bon, on arrête les mecs qui tirent. Il a raison d'ailleurs. On peut pas dire que la manif pour tous c'était un mouvement d'hommes pauvres. Pas seulement. Donc, ils sont complètement dehors parce que c'est plus traité. Et d'ailleurs, ils se sont aperçus que les hommes politiques, hein, de droite et de gauche, ne le traitent plus. Ouais. Du tout, ce problème-là. On parle savoir s'il faut des toilettes pour les travestis, les transsexuels. Est-ce que toilettes hommes ou toilettes femmes ou toilettes... Qui sont très importantes, Serge, enfin. Évidemment, mais pas primordial pour un type qui cherche du boulot. Ah, bien sûr. Voilà, et qui veut que son fils ait un peu plus de bonheur que lui. Et bien, il sait que la droite et la gauche n'ont plus rien à voir. Et ben, il s'en fout. Il sait que les syndicats sont complètement inféodés et payés d'ailleurs par ceux qui devraient combattre. C'est-à-dire l'État et les grandes entreprises qui financent les syndicats. C'est quand même de dingue. Hein. Et ben, il lâche pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est faut faire attention à un peuple qui abandonne. Parce qu'un peuple abandonne, c'est un peuple qui va gronder. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait si le Front National marche, d'après moi, que parce qu'il dit, tiens, c'est le seul qui soit anti-système, qui soit contre eux. C'est pas un grand vote d'adhésion, c'est un vote de dégoût monumental. Ta réponse me convient, en fait. C'est vraiment, ça ne vient pas du peuple, en fait. Du coup, les grandes manifestations, c'est des manifestations de bobos, de droite ou de gauche. D'ailleurs, ça ne porte à rien. Oui, parce que c'est sage.
Ouais, c'est normé. Ça, exactement. De droit ou de gauche, c'est normé. C'est mignonné. Mais ce qui est plus important, moi, celle qui m'a intéressé, hein, qui est l'avenir de. Ben, c'est les bonnets rouges, hein, il y a quelques temps. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et à un moment, quand les Français auront un petit peu moins d'espoir de survivre, hein, là, ça va être dur. Oui, oui. Ouais. Là, ça va être dur. Ok. Bon, on se retrouve dans la deuxième partie, ne bougez pas, on revient tout de suite. Deuxième partie de l'émission, toujours avec Serge Ayoub. Là, je vais un peu parler de ce qui s'est passé avec Troisième Voie. Enfin, plus exactement, je voudrais savoir quel est ton sentiment. Je sais que les leaders parlent rarement de leurs sentiments, mais nous, ça nous intéresse. Quand ça a été dissous, est-ce que tu as ressenti ça comme un coup d'arrêt ou tout de suite, tu es parti vers un autre projet Bah, écoutez, comme tout sentiment, il est complexe. Ouais. Troisième Voie, je veux dire franchement, la reformation Troisième Voie, hein, qui avait été créée par Jean-Gilles Malirakis, et qu'on avait repris après, c'est comme un enfant. Et quand on perd un enfant, c'est un deuil. Ouais. Mais c'est un enfant spécial parce qu'on est en politique. Il faut toujours être réaliste. Quel est l'objectif de la création d'un mouvement? Oui, oui. Pourquoi on fait un mouvement? À part pour parader. Hein. Quand on fait de la politique, c'est pas pour parader, c'est pour prendre le pouvoir. Oui, oui, oui. L'objectif de Troisième Voie, hein, prise de pouvoir. Mm-hmm. Comment on prend le pouvoir quand on est un mouvement politique? De deux façons. Mouvement de masse, ouais. Ou en influant l'école de pensée, oui. L'un ou l'autre. Oui. Troisième Voie n'est pas un échec en termes de masse, mais en masse militante radicale, c'est bien. On pouvait ramener dans la rue rapidement 800 à 1000 personnes. Manif pour la défense de nos emplois et pour défendre l'héritage de Roger Salengro à Lille, 800 à Lille. Ouais. Tous les nationalistes ne peuvent pas dire ça. Hein. On a fait une manifestation en février. Peu de temps après, on était 800 aussi à Paris, contre tous les impérialismes. C'est pas mal, mais c'est pas un mouvement de masse, ça. Oui. Un mouvement de masse, c'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dans la rue. On est dans un pays de plus de 60 millions d'habitants. Voilà. Alors, on est obligé de faire plutôt de la formation politique. Alors, notre objectif, quand on a vu qu'on ne pouvait pas rivaliser avec le Front National, oui, bien sûr. Évidemment, oui. On s'est dit, on va former des cadres. D'accord. Un peu, d'ailleurs, comme l'avait fait Lénine à l'époque. C'est-à-dire que, notre calcul est historique, hein, 120 millions d'habitants en Russie en 1917, quelques milliers de bolcheviques, 3-4 000. Ouais. 120 millions, tu divises par 2, ça fait 60. Ouais. Si on est 1500, ça peut le faire. Mais bien sûr. Ces proportions-là, quoi. Mais bien sûr, 1500 personnes, on peut les avoir formées. Mmh. Parce que les bolcheviks, ils sont peut-être critiquables, mais c'est des soldats politiques. Bien sûr. Voilà, moi, je suis un pragmatique toujours. Donc je me dis, des gens en béton armé, alors comment former? Ah, formation, et deux, il faut qu'elle soit dans le pratique. Alors dans le pratique, on s'est dit, une fois qu'il sera formé, la formation après, où peut-il porter la voix? Ouais. Et ben, nous avons des travailleurs. Nous étions, et d'ailleurs je me moquais des gens des syndicats de Sud que je connaissais, parce que je travaillais à la Poste à l'époque. Je disais, mais nous, on est le seul parti ouvrier en France. Vous n'avez que des étudiants et des fonctionnaires chez vous. Ouais. Et là, ils disaient, oui, on le sait, on est dans la merde. Ouais. Parce que c'était des trotskistes avec qui on rigolait. On peut discuter avec les gens. Ils disaient, oui, nous, on est dans la merde, on a des petits bobos. Quoi. Il n'y a plus rien, on sait qu'on est des civils. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous disaient, on regarde Troisième Voie, parce que vous avez des ouvriers. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais quand j'étais skin, quand je croisais des gens d'extrême-gauche qui combattaient pour des luttes ouvrières et variées. Je disais, mais c'est étonnant. Vous arrivez à tracter dans la journée. Moi, mes mecs, ils manquent qu'à vous parler et même à vous combattre. Mais ils n'ont pas le temps, ils sont au boulot. Vous n'êtes pas au boulot. Ouais, vous n'êtes pas les ouvriers. Ouais. Les ouvriers, ils sont au boulot, mon bonhomme. Ouais. Ah oui, mais toi, tu es à la fac. Bah oui, tu peux tracter.
D'ailleurs, Méric qui s'est opposé, et c'est important l'affaire Méric, ouais. Quand on a l'analyse, qu'est-ce que c'est ? Un type qui est issu d'une vieille noblesse, ouais. Dégénérée, mm-hmm. parce qu'elle ne l'est plus, ouais. qui est donc un fils ou un petit-fils de bourgeois, pas déclassé. Un vrai bourgeois. Bon, les parents sont professeurs, tant mieux, et que lui a choisi d'être à Sciences Po. Mmh. C'est pas un bourgeois déclassé, qui est d'ailleurs une valeur révolutionnaire importante. Il n'y a rien de mieux comme révolutionnaire qu'un bourgeois déclassé. Oui. C'est une qualité, pour moi. Eh bien, lui, il est à Sciences Po. Ouais. Il a les idées de tout le monde. Il aime la musique. Il ne ferait pas de mal aux animaux. Moi aussi, je lutte contre la torture des animaux, mais c'est pas le même problème. Il a des idées gentilles. Oui, oui. Il n'est pas subversif. Pas subversif. Et il s'imagine, il fait de la rebellitude. il s'oppose à qui ? Lui, le tenant de la gauche. Un prolétaire. Des luttes ouvrières, à de vrais prolétaires. Bien sûr. À Esteban Morillo, qui est un fils immigré, qui est un ouvrier. Oui, oui. Et donc, on a une espèce de bourgeois qui combat. Au nom de la tolérance et de l'ouverture des frontières, un fils d'immigré qui combat pour que la France reste la France. Oui, c'est quelle absurdité, alors en fait, si. Et en plus, et là, c'est ça, en ça qu'on sent que le peuple a la réponse. Ouais. C'est que quand tu croises la main d'un ouvrier, ça fait mal. Ouais, ouais. Et ça, c'est le retour au concret. Il faut toujours faire gaffe quand tu attaques ces gens-là, parce que ces gens-là, en 14 jusqu'en 18, ils étaient dans la boue, ils se pissaient dessus pour se réchauffer et ils chargeaient en marchant sur des milliers de cadavres au sifflet pour attaquer les mitrailleuses. C'est ça le peuple. Mmh. Les vrais héros, ils sont là. Alors quand tu des petits bourges qui sont loin, qui donnent des ordres à Maxime avec une coupe de champagne pour charger, un jour se les prendre dans la gueule, et ben ils morfent. Et Méric, c'est ça, il a pris une main d'ouvrier dans la gueule. Oui, c'est en fait c'est. Et le système, quand un jour les ouvriers se réveilleront, pas les ouvriers, c'est-à-dire le peuple, hein, parce que l'ouvrier en soi n'existe plus. Oui. C'est la classe du peuple tout entier, ses agriculteurs, ses ouvriers, ses employés, ses petits patrons, ses artisans, qui construisent la France de leurs mains. Oui. Quand ils vont leur mettre une main dans la gueule, et ben ça va les péter, ils n'ont plus l'habitude. Pour ce qui est des étudiants, ça peut être aussi l'étudiant qui n'a pas de sous de ses parents, qui sont des prolos, et qui bosse au McDo après les études pour. C'est pas les mêmes. C'est ça les nouveaux prolos. Ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est celui qui travaille et qui sait ce que c'est. Oui, oui. Bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de déplacer la ligne. Le combat n'est pas tellement fa-antifa, c'est en fait bourgeoisie pour les terriers. Et on voit où se trouve chacun. Toujours, bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, à l'heure actuelle, premier parti ouvrier de France, Front National. Ouais, bah oui. Bon. Pas de mystère. Eh oui. Mmh. Voilà. Les types qui ont des problèmes, eh ben, ils se regroupent. Et c'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai pris le parti du peuple. C'est le parti des héros. Mmh. Parce que ce sont eux qu'on construit. Et d'ailleurs, j'ai aimé la guerre 14, non pas parce que c'est un massacre. Hein. Ouais. C'est parce qu'en 18, c'est la première fois qu'on a dit on va faire des monuments pour eux. Oui. Parce que normalement, on ne vénère que les généraux, les empereurs et autres rois. Et là, on a fait dans toutes les villes de France un monument où on marque le nom des gens qui se sont sacrifiés. C'est vrai qu'il ne peut pas aller dans un village sans voir un monument. Et c'est assez beau à chaque fois, ça crée un frémissement, je trouve. Mais bien sûr. Ouais. Et là, on le reconnaît, ce qu'ils ont été, leur sacrifice. C'est la première fois qu'on le fait. C'est pour ça que j'ai, moi, un pincement et que je n'aime pas qu'on touche à ces monuments morts, parce que c'est des monuments au peuple. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je n'ai jamais trouvé, je termine, jamais trouvé plus grand qu'un homme qui est prêt à sacrifier sa vie, sa famille, son avenir pour une idée, la France, la liberté, et qui est prêt à le faire en toute discrétion. Oui, 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 c'est vrai. C'est ça la grandeur du peuple, c'est discret, il ne demande rien. D'ailleurs, il va au quotidien, son train ne marche pas, on s'en fout, on réduit ceci, on réduit cela. Il va quand même au boulot. Il râle, mais il sait qu'il a le droit à rien. Ouais. Mais il fait quand même. Ouais. Et ça, c'est énorme. C'est ça, le vrai héros. Et ça donne envie de se battre pour, bien sûr. Bon, je crois qu'il est évident que depuis quelques temps, tu es un peu en retrait, volontairement ou pas, en tout cas on te voit moins. Est-ce que tu n'as pas envie, vu l'actualité brûlante, parfois de réagir? Parce que je trouve que tu es assez bon quand même en réaction vidéo. On va terminer sur ta question quand même. Oui, oui. Tu m'as demandé, bon, alors je dis, qu'est-ce qu'on va toucher? Nous sommes les travailleurs, on va toucher les travailleurs. Par exemple, je travaille dans une usine.
Eh bien, je vais me rentrer dans un syndicat. Deux possibilités, ou le syndicat meneur, ou le syndicat minoritaire. Ouais. Dedans, je vais aider au quotidien, parce que c'est le quotidien qui compte, pas les grandes idées. Au quotidien, mes collègues de travail, mes ouvriers, etc., ou mes employés. Pendant des mois et des années, s'il le faut. Mmh. Et je vais leur faire comprendre pourquoi je les aide. Et quel est le problème? Que le problème, c'est la direction des syndicats. Ce n'est pas le syndicat. L'idée syndicale est une grande idée. La politique est une grande idée. Ce sont les partis qui ont dégénéré la grande idée politique, le politique, et les hommes politiques qui sont de petits hommes pour des idées qui dévoient. Mmh. Comme la République et la démocratie sont pour moi des choses importantes, pour lesquelles il faut se battre. À ce moment-là, on crée des cellules dans les syndicats. Oui. Et par exemple, si le Front National qui combat sur le terrain électoral, oui, c'est tout à son honneur. Oui, oui. Parce qu'au moins, ils ont une stratégie de prise de pouvoir. Parce que l'objectif, c'est le pouvoir. Il faut le prendre. Demandez à n'importe quel groupuscule quelle est votre stratégie de prise de pouvoir. Il faut faire la remigration, par exemple. Remigration. Bon, c'est bien. Oui. Comment? Oui, oui. On peut dire ce qu'on veut du front, mais il y a un désir d'accéder à la fonction. Exactement. Comment? Ben, c'est par la prise de pouvoir. Moi, on peut discuter pendant des heures de ceci ou de cela, mais si je n'ai pas le pouvoir ou vous n'avez pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir de décider quoi que ce soit. C'est des discussions de salon, c'est de la littérature. Ça, c'est fait pour les gens qui s'ennuient. Un politique, un révolutionnaire, il n'y en a rien à foutre. Ce qu'il veut savoir, c'est d'abord comment il prend le pouvoir, une fois qu'il a pris le pouvoir, ce qu'il va en faire. Alors, c'est la prise de pouvoir. La prise de pouvoir, elle peut être électorale, du fond, mais il y a aussi une autre prise de pouvoir. C'est-à-dire rentrer à l'intérieur du maillage populaire et faire un maillage national. Mm-hmm. Et ce maillage se fait dans la cellule de l'entreprise. Tu arrives à convaincre tes collègues. De 1, tu peux passer à 10. Ouais. Si t'es 1500, t'es 15 000. C'est plus la même. Ouais. Et tu peux même être 20. C'est plus la même, c'est des vrais mouvements. Hein, des vrais mouvements. Mm-hmm. Et ce mouvement-là, à un moment, il peut décider de dire le syndicat, c'est nous. Ou dire si on crée notre syndicat. D'ailleurs, c'est comme ça entre nous qu'une partie de la CFDT est devenue Sud. C'est des stratégies révolutionnaires. Ouais. Intéressantes d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et là, quand le travailleur s'organise face à celui qui l'opprime, c'est-à-dire le grand dirigeant, sa grande force, c'est quand il arrête de travailler. Ouais. C'est ça, c'est là que la grève générale peut prendre une forme, parce qu'elle touche tout le monde. D'autant plus qu'elle est réaliste pour plusieurs raisons. Parce que le capital, le grand capitalisme, travaille pour qu'il ait le maximum de profit, ouais, que c'est ça qui lui importe, en flux tendu. C'est-à-dire qu'il a une semaine de réserve pour un supermarché, 3 semaines de pétrole. Ouais. La grève n'a pas besoin d'être 3 ans. Oui, mais le problème, si les routiers et on coupe l'approvisionnement en essence, la France est bloquée en une semaine ou 3 semaines, c'est fini. La France est à genoux. Là, on va écouter le peuple, ceux qui livrent le pétrole, ceux qui le mettent à la pompe. Alors, ils font venir souvent la police et l'armée. Ouais. Mais aujourd'hui, vous pensez vraiment que les CRS iraient avec cœur frapper ces ouvriers alors qu'ils en ont marre eux-mêmes? Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses vraiment que l'armée qui passe son temps à garder en France des monuments et des personnalités alors qu'elle devrait être aux frontières, parce que c'est le rôle de l'armée, bien sûr, pas être à l'intérieur mais aux frontières et à l'extérieur, et qu'il n'a plus un sou d'ailleurs, sera extrêmement motivé? Oui. Aujourd'hui peut-être encore, mais demain. Parce que demain, malheureusement, à l'heure actuelle, à cause de ce système, est toujours pire. Bien sûr. Ah, c'est ça notre grand avenir, et c'est ça la vraie structuration. Ouais. C'est ça la période révolutionnaire, c'est une révolution sans armes. C'est une révolution politique, une révolution en plus légale, légitime, parce que l'ouvrier, il a le droit de faire une grève. Bien sûr. Donc, on ne commet aucun tort, on parle aux Français et on parle français. Voilà, là, ça, c'est possible. Ouais. Moi, ça, j'y crois, et c'est ce qu'on voulait organiser. Ouais. Et d'ailleurs, on va dire, mon Dieu, c'est un peu utopique, mais
Une fois, j'étais à une conférence dans la Marne, à Reims, et je vois un syndicaliste, celui-là, je suis de la CGT, lui est intéressant, genre, ben, toujours, toujours honoré qu'un syndicaliste nous écoute, il fait « Ah, mais... » il me dit « Mais, t'es écouté, je suis bon ?»« Ben oui, parce que si j'ai connu, c'est par mon responsable fédéral. Ouais. » Et CGT. Ouais. Je dirais pas la région, pour pas. Ouais. Qui a dit si tu veux un jour voir un vrai mouvement révolutionnaire, va sur internet et tape troisième voie. D'accord. Voilà. Je ne parle, mais je dis, ce que je dis est vrai. J'en étais honoré, c'est pour ça que je le dis. Ouais, ouais. J'en suis assez fier. Et puis une autre fois, je parlais avec un ex-collègue à moi, trotskiste, qui regardait nos thèses sur les syndicats et me dit ça fait du bien. Ouais. C'est un souffle nouveau et bon. Oui. Voilà. Ouais, donc il y a quand même un retentissement en dessous. Ah oui, et il disait d'ailleurs, en tant que trotskiste, pendant longtemps j'étais internationaliste, maintenant je sais que la France est importante. Ouais, ouais, ce mec avait basculé, mais la France est importante pour la défense de nos droits. Il avait compris. J'en avais parlé dans une vidéo. Il y a clairement un pont entre l'extrême gauche et l'extrême droite. En tout cas, moi je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de gens d'extrême gauche passer à l'extrême droite. Selon ce qu'on entend comme extrême droite. On peut pas. Ouais. L'extrême droite traditionnelle, c'est quoi? Ouais. Non, je veux dire c'est nationalisme. Mais oui, mais ouais, attention, ouais. C'est important. La droite, c'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est d'ailleurs aussi c'est le mondialisme. Ouais. Alors d'un côté, tu as des internationalistes et des mondialistes. Ils s'entendent. Ouais, ouais. C'est là qu'ils s'entendent vraiment. D'ailleurs, les socialistes s'entendent avec les hommes pour garder ça. Oui, Mélenchon remet ça en cause vraiment, alors qu'il a été ministre socialiste, il était à la gamelle pendant 30 ans, il voit qu'il y a un petit créneau, donc il tente. Bien sûr. Mais en vérité, non. Le type d'extrême gauche peut devenir nationaliste. Oui, oui. Un nationaliste, un patriote social, mais venir d'extrême droite, bon, bah, c'est un non-sens. Oui, non, c'est un terme qu'on utilise à tort, c'est sûr. D'ailleurs, ça n'avance pas. Tous ceux qui sont d'extrême droite n'avancent pas en France. La France n'est pas d'extrême droite. La France, elle est sociale. Ouais. Les gens sont solidaires. Regardez cette émission à la con, là, où il y a des gens, pas à la con, pas passionnantes en soi, où on voit une famille qui est ruinée. Ils n'arrivent plus à construire leur maison. Ouais. Hein? C'est ça. Ouais. Et bien, tous les Français viennent. Ouais, pour les aider. Ouais. Les aider. Mmh. Et je trouve ça à regarder génial. Ouais, ouais, ouais. La solidarité, elle est là. Et elle est historique. Toi, les libéraux, les dominants disent oui, il y a une espèce de darwinisme social, c'est le plus fort qui doit gagner, c'est une lutte où le plus fort, c'est le plus riche, hein, bien sûr. Ouais. Et on doit gagner, etc. C'est comme ça, le monde, l'homme est un loup pour l'homme. C'est une connerie. Historiquement, ça n'a jamais existé. En tout cas, en France, peut-être dans le monde asiatique, ça fonctionne un peu comme ça, mais pas en France. Quoi. Je suis pas un asiatique. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais exactement, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les raisons du monde. Ouais. Je ne me permettrai pas. Mais en France, au Moyen-Âge, compagnonnage, solidarité de tout le monde, c'est le monde du Moyen-Âge, du peuple, est un monde extrêmement solidaire. Les biens communaux n'ont commencé à être pétés que quand le libéralisme a commencé. Avant, il y avait des biens communaux. Les gens pouvaient venir glaner, porter leurs bêtes, vivre, même s'ils n'avaient pas d'argent. Ça n'existait pas. Ouais. D'ailleurs, quand il y a eu le 19e siècle, a créé ce libéralisme agressif, pour l'ouvrier, bien sûr, et qui a créé en même temps la classe ouvrière, parce que c'est amusant, c'est que quand ils prennent le pouvoir, et comme ils le font très mal, parce qu'ils sont infects, ils créent en même temps l'arme pour les détruire. Ouais. Parce qu'en créant la classe ouvrière, en déportant des gens de la campagne, en créant une façon artificielle et une société nouvelle, de gens qu'ils exploitaient, qu'ils agglutinaient dans des taudis, ça fait la classe ouvrière qui a failli les détruire. Hein. Ouais. Ouais. Oui. Eh bien, cette classe ouvrière, elle s'est aussitôt organisée en syndicat. Ouais. Dès qu'elle l'a pu. La solidarité et le genre humain. Ouais, c'est pas l'individualisme forcené. Alors, évidemment, il y a un égoïsme naturel, mais c'est normal, ça. Moi, je ne remets pas en cause, évidemment. Mais on sait très bien, et d'ailleurs, le peuple le sait, qu'il a une solidarité de nécessité. Il n'est pas bête. Il sait très bien qu'à plusieurs, il va s'en sortir. Ouais. Ouais.
Et c'est intéressant parce que la civilisation, ben, c'est un homme qui vit en société, c'est pas un homme qui vit seul. C'est sûr. Alors, tu as évoqué le Front National, je vais du coup poser la question maintenant. En toute honnêteté, qu'est-ce que tu penses de la ligne politique actuelle du Front National ? Est-ce que tu penses qu'ils sont sur la bonne voie ? Morale et électorale, c'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent le faire ? Est-ce que ça leur sert ? Parce qu'ils sont sur le social quand même, un peu. Beaucoup même. Ouais. Moi, je trouve que la ligne sociale du Front est bonne, je trouve qu'elle ne va pas assez loin. Ouais. Je trouve qu'ils ne sont pas assez présents au quotidien. Oui, oui. C'est trop d'élection en élection, il faudrait qu'ils soient là. Le peuple français a besoin d'un porte-parole, d'un combattant à ses côtés. Oui, oui. Voilà, on parle de quotidien toujours, donc c'est la quotidienneté qui est importante. Et c'est là où le bas blesse. Mais sinon, la ligne du front, bah, preuve en est. Hein. Oui. Moi, je vois les faits, je fais de la politique, je suis un réaliste. 6 millions d'électeurs, et c'est mieux que 6 000. Oui. Mais on est d'accord que Marine n'intervient pas assez, en tout cas à nos yeux. Après, la stratégie, mais... Bah, je ne connais pas la stratégie, donc je ne veux pas la critiquer, parce que pour connaître quelque chose, pour critiquer après. Quelque chose, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants, pas tous les paramètres. Oui. Mais c'est vrai, il y a de quoi là. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi. Ouais, ouais. Après, il y a peut-être une raison, hein. Mais en tout cas, on ne peut pas, à l'heure actuelle, tirer sur la locomotive. Ouais. On ne sait pas de ce qu'ils font du pouvoir, hein, c'est long. Hein. En tout cas, ça ne sera pas pire que ce qu'on fait actuellement. Oui. Et en plus, moi j'ai confiance dans le peuple, mais vraiment. Et il y a beaucoup de peuple au Front National. Alors, si jamais quelque chose ne va pas, le peuple pourra peut-être se faire entendre plus facilement parce qu'il est beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Auprès de la direction. Mmh. D'ailleurs, je pense que si la lignée sociale, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de cette classe du peuple tout entier. Oui, oui. C'est-à-dire du petit patron, de l'ouvrier, de l'employé, de l'agriculteur, etc. C'est ça, maintenant, le national. Et donc, ils sont obligés de l'écouter. C'est une obligation. Mmh. Ah, et c'est pour ça que j'espère que quoi qu'il arrive, même si j'en sais rien, je ne connais pas, on peut toujours, quand on est au pouvoir, avoir dévier un peu, derrière il peut y avoir cette masse. Il y a non, on ne veut pas. Et comme c'est un parti vraiment populaire, ça c'est bien. Ouais. De ce que tu me dis, bon, il me semble deviner que tu vas probablement voter Front National. Est-ce que c'est une chose que tu veux formuler ou est-ce que tu veux laisser aux gens le libre choix? Parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes dans nos milieux. Qu'est-ce que tu as. Mais moi, ce que je vois, tout le monde s'en fout. Ouais. Les gens sont des êtres libres. Hein, attends, je t'arrête. C'est pas vrai que les gens s'en foutent de ce que tu votes. T'as une influence, les gens te respectent. Si tu souhaitais le formuler, c'est peut-être important de le dire, simplement. Quoi. En tout cas, alors je reformule ma question à l'envers. Que penses-tu des abstentionnistes? Quelle est leur démarche? Est-ce que tu trouves ça insensé? Non. Ouais. Je suis un profond démocrate. De pouvoir au peuple, étymologiquement. Oui. Ça, hein. Oui. Je veux que le peuple ait le pouvoir. Donc, oui, mais comment? Si on, à l'heure actuelle, quand il fait un référendum, on ne l'écoute pas. Quand il fait un Brexit, on ne l'écoute pas. Hein, on dit, ouais, c'est des salauds, ils vont essayer de trouver tous les moyens. Tout le temps, c'est comme ça. Alors, cette démocratie-là, au bout d'un moment, on dit, mon Dieu. Ça fait peur. Alors, je comprends que certains disent, mais j'abandonne. Et je ne cautionne pas, je peux comprendre. Oui. Comme je comprends ceux qui voteront. Oui, mais je pas. Vous me demandez quelque chose qui me dépasse. Chacun a sa perception avec ses paramètres. Je n'ai pas la solution. Je suis pas. D'accord. Je ne suis pas grand penseur. Moi, évidemment, que je dirais bah, écoutez, tous unis. Oui. Si on analyse bien, le seul parti qui soit vraiment contre le système, c'est celui-là. Alors, si on veut abattre le système. Eh bien, on le suit. Et puis, une fois qu'il sera abattu, parce que c'est bien de comprendre l'Empire, mais c'est mieux de l'abattre et de reconstruire quelque chose d'autre. Mais quelle autre chose et comment on l'abat? C'est ça qui m'intéresse. Eh bien là, si on peut l'abattre, ensemble, après, j'espère qu'on pourra bâtir un monde meilleur. Parce que moi, je suis rousseauiste. Ouais. Je veux l'accession au bonheur pour les miens. Si je suis un nationaliste, c'est parce que j'aime mon peuple. Ouais. Je ne veux pas de camp de concentration.
Je ne veux pas concentrer mon peuple et l'exterminer. Je ne veux pas le rendre malheureux parce que la prison n'est pas un bonheur pour les gens qui sont dedans. Je veux qu'on puisse, qu'on soit quelque chose, un monde meilleur. Sans ça, je suis optimiste. Oui. Hein? Et j'y crois fortement. Et j'y croirai d'autant plus qu'on pourra permettre aux gens, à cette classe du peuple tout entier, à cette classe populaire, de s'exprimer. Mm. Parce que c'est elle qui a besoin vraiment de bonheur. Les milliardaires qui peuvent s'acheter un hôpital pour se soigner n'ont pas la même conception du bonheur que nous. C'est con à dire, mais parfois il faut formuler les choses. La volonté d'un nationaliste, en tout cas dans son cœur, c'est de rendre l'accès au bonheur le plus grand au peuple, c'est évident. Bien sûr. En tout cas, c'est notre méthode, quoi. Bah oui, et ça devrait être ça, et rien d'autre. Qu'est-ce qui... Moi, on me dit, ouais, on ne sait pas quoi faire. J'étais à la poste, j'ai discuté avec un collègue. Parce que il faut écouter les gens. Fait, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Fait, ah ben moi, j'aimerais bien garder mon boulot. Mais, ouais. Politique du plein emploi. Ouais. Ah, mais rien que cette phrase-là, elle est anti-européenne. Parce qu'ils sont la politique de l'Europe est anti-inflationniste. Ouais. Donc, tout le monde, les économistes, c'est théorique ce que je dis, savent que quand on interdit l'inflation, on a une fourchette jusqu'à 10% de chômage. Boum, tac, tac. J'aimerais bien être propriétaire de ma maison, d'avoir une maison à être propriétaire. Boum, hey, tu l'as. Développer ça. Ensuite, j'aimerais bien que mon fils puisse faire les meilleures études que moi, avoir éducation. Tu l'as. C'est des désirs simples mais essentiels. Tout le monde veut ça. Essentiel. Quand tu fais un enfant, c'est pour qu'il ait une meilleure vie que toi. Et d'ailleurs, les Français, c'est ce qu'ils disent. Moi, je veux que mon fils ou ma fille vive mieux, plus longtemps, et plus d'études, et une vie plus agréable. Études, sécurité. Tu l'as, tout ça. Ouais. Tu l'as. Moi, ce que je veux, c'est quand elle rentre, parce qu'ils sont à HLM, qu'elle se fasse pas embrouiller en sortant de l'école. Sécurité, contre les racailles, les machins. Tu l'as tout ça. Ça, c'est le fait de monde, c'est des vrais sujets, concernent tout le monde. Bah, exactement, tous les gens en quoi. Et c'est ça les réponses qu'on veut. Bien sûr. Pas plus, pas moins. Pas plus, mais c'est énorme en vérité. Ouais, bah oui. Ouais. C'est ça le nationalisme, c'est écouter son peuple et organiser, orienter de telle manière à ce que ça soit bien fait. Ouais. Alors, un sujet transversal, en admettant que la méthode électorale ne fonctionne pas, on entend de plus en plus parler du survivalisme. Est-ce que pour toi le survivalisme est une forme de nationalisme comme une autre? Qu'est-ce que tu penses globalement du survivalisme? Et des BAD, des bases autonomes de rue durables, ce genre de choses? Nous avons écrit avec Michel Drac un livre qui est la base de qui est le fondement de cette idée de base autonome durable. Ouais. Dont San Giorgio s'est inspiré. Ouais. Le problème de la BAD, c'est comment on la conçoit. La base autonome durable, on peut la concevoir dans une société, en vérité, c'est ce qu'on pense, qui va s'effondrer. Le problème est de savoir si l'effondrement sera d'un coup, c'est ce qu'il s'imagine, ou il sera progressif, c'est ce que je pense. Je ne pense pas qu'un État comme la France, notamment la France qui a une notion d'État, de service public, c'est important dans l'esprit du français fondurant, c'est ça. Il pense police, il pense poste, il pense... Non mais, exactement. Ça ne va pas s'effondrer comme ça. Oui. L'armée sera toujours plus ou moins là, plus ou moins, la police aussi. Oui. Ça, évidemment, économiquement, ça va s'effondrer, mais on ne va pas tomber du téléphone portable à l'âge de pierre. Oui, alors, bien sûr. Alors, d'abord, on va avoir de moins en moins de moyens, etc. Donc, déjà, c'est la première mauvaise analyse du survivalisme, c'est « et si je vivais dans ma forêt tout au fond, sans les autres ?» Alors, la première des choses dans le survivalisme, bon, c'est une théorie qui n'a rien de neuf, hein, qui venait de l'Amérique et de ses excès des années 70, qui donne aussi Waco, il faut faire attention. C'est vrai, c'est vrai. Même si au départ, ça part simplement de la volonté de protéger sa famille en cas de crise. Sur le papier, au départ, c'est pas méchant. Ah non, non, protéger sa famille, c'est très bien. Mais comment? Alors, si c'est pour... je vais être critique, mais c'est une critique constructive, hein, c'est pas...
Si tu te, tu fais ta bague dans ta maison de campagne, oui, avec ton fils, ta fille, ta femme, et puis l'amant de ta femme qui vient faire des côtelettes à barbecue, élever trois poules et puis cultiver des tomates. Ouais. En cas d'effondrement, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Hein. Un type, d'ailleurs, moi, je fais ça dans ma campagne avec des amis, on prépare ça, je dis, mais ça, c'est du truc de bobo. Et quand bien même tu le ferais en entier, qu'est-ce que tu attends là? Tu as l'effondrement, tu as ton stock de sucre, des lentilles, c'est sec, c'est bien, un puits pour de l'eau. Voilà, quelle histoire, quelle révolution. Je vois où tu veux en venir. Pour toi, l'isolement est une démission politique. Déjà, et surtout, même en termes de survie. Ouais. Survie. Qu'est-ce que t'attends, je dis? Ben, t'attends la mort. Il va rien arriver. Tu ne fais rien, donc il ne peut rien arriver. Tu attends. Quand tu attends, t'es replié. Quand ouais. tu attends, tu ne fais rien. Quand tu ne fais rien, tu subis. Tu subis quoi? Le fait que t'aies plus de lentilles, ni de sucre, ouais. mort de faim. Ou sinon, que quelqu'un vienne prendre tes lentilles. C'est tout. Ouais. T'es un dingue. Donc déjà, cette idée-là est négative. Ensuite, pourquoi on survit? Pourquoi on se replie? Parce qu'on pense que la société s'effondre et qu'on veut garder. Ouais. Donc on est, en fin de compte, des poches civilisationnelles. Mm-hmm. Des micro-poches civilisationnelles. Mais qu'est-ce que c'est que la civilisation? Mais donc, si ça ne tient pas en haut et que la politique s'effondre... Voilà, la civilisation... C'est plus large que ça. C'est la spécialisation. Mm-hmm. C'est comme ça que la civilisation s'est faite. Si, dans la même journée, tu dois faire naître un veau, faire veiller, traire la vache, cultiver tes tomates, réparer ton tracteur, élever ton gosse, aller à la chasse, réparer la... Non, t'as 24 heures et puis il faut dormir un peu. C'est pas possible. Mm-hmm. D'ailleurs, techniquement, tu ne peux pas. Si la civilisation s'est faite, c'est sur des villages avec un forgeron, des agriculteurs, des éleveurs qui faisaient... Complémentarité des compétences. Spécialisation. Ouais, ouais. Donc, si tu veux que survivre, il faut créer une civilisation horizontale avec un maillage serré et des rapports qui permettent que chacun soit spécialisé l'un dans les carottes, l'autre dans les tomates. Bon. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et ça, ils n'y pensent absolument pas. Ensuite, il faut qu'il y ait un lien politique parce que, et une raison révolutionnaire. Parce que quand il y a un effondrement et que tu ne fais rien pour faire autre chose, et ben, tu subis. Donc il faut que tu développes ces BAD comme une peau de léopard. Hein, c'est ce qu'on avait dit dans le G5G. La France serait une peau de léopard où les BAD seraient des tâches, de plus en plus de tâches, tellement qu'à la fin, ça serait le fond. Ouais. Et comme ça, tu reconstruis la nation. Voilà. Et c'est ça. Comme ça, tu reconstruis et tu as un avenir. C'est actif. Ouais. C'est pas passif et défensif. Mmh. C'est comme ça qu'on fait quelque chose avec un projet. Il n'y a pas de projet. Mmh. Donc, il n'y a rien. Ouais. C'est ça. On ne peut que mourir quand on est comme ça, en suspension. Donc, c'est une solution momentanée et individuelle qui ne résout pas les problèmes de la société. C'est oui, voilà. Si c'est pas révolutionnaire, et d'ailleurs, je veux l'articuler. Oui. La société va s'effondrer. On veut prendre le pouvoir. Le peuple doit prendre le pouvoir. Il faut lui donner les moyens qu'il puisse prendre le pouvoir. Dans cette grève, il a besoin qu'elle soit soutenable, c'est-à-dire qu'il puisse payer son crédit, son loyer, nourrir ses gosses pendant qu'il fait grève. Hein. Ouais, d'accord. Le travail. Bah oui. Ouais. Comment? Par la BAD. Ouais. La BAD devient une contre-économie. Ouais. Où tu peux faire une BAD qui soit un événement, un lieu événementiel, où tu fais et tu récoltes de l'argent et ça paye. Mmh. Tes carottes, tu fais un peu de bénéfice, là, ouais. ta BAD à carottes, là. Et ben, tu le donnes ouais. pour qu'ils puissent faire justement prendre le pouvoir. Et puis en avoir les moyens. C'est là, la BAD devient intéressante parce que c'est impliqué dans un grand programme révolutionnaire. C'est ce qu'on veut faire dans la BAD, c'était ça. Une maison du peuple, ou une BAD, comme tu veux. L'idée de maison du peuple, c'était une idée québécoise des années 60-70. C'était une très bonne idée, qu'il faut réadapter.
Et mais avec une vision économique, parce que les gens, ils ont besoin. Pourquoi on, ben là, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire grève, et ben parce qu'il n'y a pas de caisse de grève, étonnamment, dans les syndicats. Ouais. C'est amusant, il n'y a pas de caisse de grève dans les syndicats, ou dans, je crois dans un syndicat, il en reste encore. On a un crédit à payer. Ouais. Tout le monde te fait des crédits pour pas se faire comme ça, ben t'es nul. Hein. C'est sûr. Et puis, tu as ton loyer, enfin, tu as tes charges. Il faut qu'on aide le travailleur. Voilà, qu'on aide l'homme à de redevenir révolutionnaire, et on donnait les moyens. Voilà. Et c'était comme ça. Voilà comment je comprends. Et pas comme de la survie, mais comme une volonté révolutionnaire et active. Oui, je comprends. Ouais. Ok, bah écoute, c'est la fin de la deuxième partie. Est-ce que tu as le temps pour une troisième partie? Oui, oui. Bon, bah, très bien, on se retrouve tout de suite, bougez pas. Troisième partie de Ville Europe avec Serge Ayoub. On va traiter de l'actualité. Alors là, justement, je crois qu'on est le 20 décembre. Hier, il y a eu à nouveau trois attentats. Bon, cette question, c'est un peu la question à 100 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité civilisationnelle entre l'islam et les pays d'Europe, à ton avis? D'abord, la première des choses, c'est la façon dont on prend les choses. On en parlait tout à l'heure. Ouais. D'un côté, en France, hein, pour les Français, hein, d'abord, il y a ceux qui disent que face à toute cette haine, il faut répondre par plus d'amour. Alors, on pose des petits cierges, des nounours à l'endroit des morts, des mots avec des petits cœurs, on fait des marches blanches, on embrasse tous les musulmans qui soutiennent cette marche, on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'il faut comprendre. Certains même parents de victimes disent qu'ils n'ont pas de haine ou de ressentiment. D'un côté, il y a des gens qui refusent la haine et des autres qui l'ont. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'amour qu'en face on va t'aimer beaucoup plus. Un homme qui te déteste, ça ne changera rien. Ouais. Ça ne changera rien. On disait tout à l'heure, si d'un côté je refuse les armes et le combat et l'autre il a une arme, la réponse est pan et c'est fini. Ouais. C'est clair, c'est net, hein. Ouais. C'est emballé, c'est la première des choses. Et puis, pour aller plus loin, une société, une civilisation, elle doit se défendre. Quand elle n'a plus la capacité de se défendre, eh ben elle meurt. Ouais. Et un type qui dit « je refuserai de me battre », eh ben elle meurt. Et c'est pareil pour une société. Il faut que quand on l'attaque, c'est un fait. Ils nous ont déclaré la guerre, ces gens-là. Mmh. Point. C'est pas nous, c'est eux. Après, il y a peut-être des raisons qu'il faut comprendre. Ça, je ne dis pas le contraire. Je ne comprends pas pourquoi on va bombarder des Irakiens en Irak. Enfin, je comprends. S'ils ont, et je vais même aller plus loin, s'ils ont envie de leur gouvernement, c'est leur propre problème. Contrairement à Kouchner, au théorie de Kouchner, je pense que nous avons un devoir de non-ingérence. Bien sûr, bien sûr. Ils sont des adultes, ils mènent leur vie, ils prennent leur temps. À tort ou à raison, ils ont leur raison. Après, tu veux, l'Allemagne ne bombarde pas actuellement et se fait quand même attaquer. Donc là, il y a vraiment une incompatibilité. C'est une déclaration de guerre. Mmh. Bon, ça, c'est la première chose à leur dire. Est-ce que sont pas les mêmes civilisations? Et le problème, c'est la promiscuité. Ouais. La civilisation arabo-musulmane dans le monde arabo-musulman est très bien, très bonne à connaître, à vivre, et on peut s'en retirer quand ça plaît pas ou revenir. Mais quand on fait c'est la promiscuité, on n'échappe pas. Mmh. La promiscuité, c'est même, c'est pas faux, c'est mettez plusieurs hamsters dans une petite cage. Ils sont hamsters, hein. Ouais. Ils pensent hamster, ils ont une culture hamster. Ouais. La promiscuité, ils font qu'ils se battent. Ouais. Concurrence, incompréhension, impossibilité, voilà, c'est tout. Oui, oui. En vérité, on a forcé des arabo-musulmans pour des raisons bassement économiques et en vérité de pillage des ressources des pays à vivre dans d'autres pays. Et on a forcé aussi des autochtones, hein, des Français de souche, comme on les appelle maintenant, à supporter ça. Oui. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom du profit? Ouais, ouais. Ouais, et c'est ça qu'il faut. Après, la compatibilité, elle est là. Toi, tu ne crois pas à la logique de l'invasion volontaire de certains musulmans en dehors des questions économiques, c'est-à-dire une volonté d'installer l'islam quelque part en tant que tel? Peut-être, mais
Peut-être pour certains, ceux qui attaquent, ils ont peut-être une volonté universelle. Oui, sûrement, ils ont des raisons. Alors peut-être aussi qu'ils ont des raisons purement tactiques et stratégiques. Je sais qu'à un moment en France, on a subi des attentats parce qu'on n'avait pas payé ceci, on n'avait pas remboursé cela, ou on n'avait pas fourni ceci à tel ou tel pays ou telle organisation. C'est très très complexe. Mmh. En tout cas, tout ce que je vois, le reste, je m'en fous, c'est on compte les miens. Oui, ouais. Alors, eh ben, ouais. Il faut, si on nous tue... Action pragmatique, pure... Bah, voilà. Moi, c'est simple, j'aurais été au gouvernement, la réponse, c'est l'application stricte de la loi. On n'a pas besoin de loi d'exception. On a vécu bien pire. Mmh. La France s'abaisse en disant qu'elle a peur de ces gens-là. Ouais. C'est rien. Ouais. C'est plutôt le terrorisme. Il n'y a pas tant de morts que ça. Hein. C'est horrible. Il faut le combattre. Sans pitié, mais c'est pas plus que ça. Faut le chercher en France, je vais t'expliquer comment, et puis il faut aller le chercher là-bas. C'est toi qui as commandité, mais rien n'empêche d'amener des troupes, d'aller chercher le commanditaire, de le buter sur place ou de le ramener. C'est ça la réponse, aussitôt. C'était pas de faire des marches blanches et de faire le boycott de la Syrie. Ça n'a aucun rapport. Et, par contre, comment le faire en France? Faut réagir. Et c'est l'application de la loi, ce que je dis. En vérité, ce que je veux, moi, c'est une république sans concession. Qui sont ces terroristes en France? Souvent. Des jeunes issus de l'immigration qui viennent de cité. Ouais. Souvent. Ouais, c'est un fait sociologique. Point. Ouais. Pas toujours, mais souvent. Ouais. Alors, on va prendre pour cela. Pourquoi sont-ils comme ça? Alors, voilà ce que j'en pense. Depuis 20 à 30 ans, on appelle ça pudiquement des zones de non-droit. On a développé, pour des raisons politiques et économiques, ces zones de non-droit. Politiques, parce que il faut que ces gens-là ne puissent pas s'opposer. Et économiques, parce que quand ils vendent un peu de drogue, on peut rentrer dans le PIB. Et puis, ça risque d'être le cas. Et en plus, surtout, ils ont des moyens d'acheter. Ouais. Et donc, de ne pas faire des meutes. Un RMI plus une roue volée et trois barrettes de shit, ça te fait un salaire convenable. Ouais. Et comme ça, il peut acheter une voiture, des smartphones, et on peut vendre des lecteurs DVD. Il faut comprendre comme ça, parce que ceux qui font élire, qui financent nos gouvernants, vendent des DVD. C'est tout, ça. C'est sordide. Hein. Eh bien, on a permis à ces gens-là de faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Gagner de l'argent, sans travailler. Sans être en lien avec la France et la pensée française. Du travail, des impôts, des liens. On a permis à ces gens-là de ne pas se faire arrêter. Ils jettent des cailloux sur les pompiers, jettent des cailloux sur la police. On ne les arrête pas. Ils vivent hors sol. Ils vivent même dans une contre-économie. Une autre économie parallèle, d'ailleurs, qui est une contre-économie. Ils ne sont plus français de fait. Ils n'ont plus besoin de l'État, ils ne le reconnaissent plus, la France. La France n'est rien pour eux. Ils ne lui doivent rien. En plus, tu rajoutes à ça la pensée stupide gauchiste de culpabilisation permanente qui permet en même temps d'essayer de calmer les gens en s'imaginant qu'en étant faible, on va être aimé. Oh là là, comme on était méchants pendant la guerre d'Algérie. Surtout que là, c'est une manque de connaissance de ce que sont les Maghrébins parce que ce n'est pas dans leur psychologie. Ils ne conservent pas la faiblesse comme quelque chose de touchant. Je fais pas de psychologie ethnique, je fais du concret. Je sais qu'on va dire que la guerre d'Algérie est abominable à ces gens-là pour leur dire qu'on est gentil, qu'on n'est pas du côté des tortureurs. Tortionnaires. Oui, je sais. Peu importe. J'ai bien compris. Je sais que c'est... Mais le terme tortureur me plaît plus. On est aussi, on dirait dire, oui, mais la France et les immigrés ont bien aidé à la reconstruire. Alors le type se dit, non seulement j'ai pas besoin de toi pour gagner 4000 euros par mois, tu m'emmerdes, tu m'empêches de les gagner, mais en plus tu viens m'emmerder alors que tu me dois tout. Parce qu'il le croit, on lui dit, il le croit. Il faut savoir que la proportion des immigrés qui ont reconstruit la France est de 3%. Hein. Ouais. Ça, c'est une étude véritable, scientifique.
Donc c'est pas tant que ça. On raconte dans des films divers et variés que si la France a été sauvée, c'est par les armées indigènes. Qu'en 14, on mettait les tirailleurs sénégalais en première ligne et que les Français avaient peur. On dit, mais alors, sans nous, ne sont rien. C'est qu'une bande de lâches, de collabos, de types qui font du marché noir, qui torturent, des sales types, des sales beaufs. C'est ce qu'on... Mais je n'ai pas de respect pour ces gens-là. On a essayé en disant... En essayant de dire, voilà, j'arrive à te comprendre, etc. Vous avez fait des choses, mais... L'armée d'Afrique, je sais, mon grand-père était dedans, était officier. Il a refusé de prêter serment à Pétain, d'ailleurs, hein, pour combattre, parce que la guerre devait continuer. Il a refusé de ça. Il fait partie des 4-5 officiers qui ont refusé. Donc, c'est une des gloires. Nous, on refuse la reddition. Eh bien, c'est quoi, 100 ou 200 000 hommes? Tu sais combien c'est les statistiques de morts jour de la Seconde Guerre mondiale? 5 000 jours. Combien de temps ça dure 100 000 hommes? Non, c'est certain. Ah, mais ils ont été, il y a eu des pieds-noirs aussi. Il y a eu des morts, hein, mais bien sûr. Et on d'ailleurs, fait croire que c'est vraiment la totalité. C'est pas que ça, voilà. En 14, il y a beaucoup de Corses et de Bretons qui sont morts. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de vétérans. C'est pas vrai. Regarde dans les monuments, on en parlait, les monuments morts. Il y a beaucoup de Français. Alors dire qu'il n'y a que des tirailleurs, oh, c'est méchant et c'est faux. Alors du coup, il y a ça. Alors donc, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. On leur doit tout. Il ne manque plus qu'à ce climat négatif de mettre une idéologie. Il n'y en a pas. Et si on prenait le pouvoir par Allah, par autre chose, hein, et ben, il marche. Oui, si je te résume, c'est en fait c'est le défaut d'autorité et de pouvoir qui laisse la place à ça, évidemment. Bien sûr. Ouais. Si on disait la vérité, c'est que la guerre d'Algérie est une guerre civile et que la bataille d'Alger était gagnée par la France et qu'il y a eu des tortures, il y a eu des tortionnaires des deux côtés et que ça a été très dur et que c'est la vie. Et qu'en 40 on s'est battu, que la résistance a existé, que c'était pas un épiphénomène, et que 14 c'est une grande guerre, et que c'est un grand peuple, et qu'il y a eu du positif et du négatif dans la colonie, comme dans toute chose, et qu'il faut arrêter, ben, les gens écouteraient parce qu'ils sont pas idiots. Les êtres humains ne sont pas des idiots. C'est pas parce qu'ils ont pas d'argent qu'ils ont pas de cerveau, hein. Voilà, ben ça serait pas la même. Finalement, et dire, continuer, hein, quand on a fini ça, le type devient terroriste, et pourquoi? Et ben, parce qu'il en a les moyens. D'abord dans la pensée, il est libéral, il est même opposé, on est dans une idéologie. Et les moyens, c'est quoi? L'argent et les armes, dans les cités, elles y sont. Donc si tu veux arrêter ça, c'est simple, sans concession, application de la loi. T'as une cité où on vend de la drogue, 5h30 du matin, tu déboules, tu fais venir les cars. Vraiment, fais vraiment intervenir la police. Ce que je dis est dur. Hein, là-dedans, il n'y a pas... Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'idéologie. Il y a simplement l'application de droit. C'est interdit, t'emmènes les flics, c'est tout. T'emmènes les flics, 5h du matin, tu les arrêtes. Ouais. Tu sais, s'ils commettent l'erreur de jeter un frigo, ouais, comme parfois ils le font, ils décaillassent, ouais, tentative d'homicide sur l'officier de la force publique, sur l'agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions. Ouais. C'est 25 ans de prison. Ouais, Et à ce moment-là, c'est un flagrant délit. Donc, tu le cherches. Et s'il serait plus dans un appartement, tu ouvres tous les appartements. Oui. Ce qui fait que d'un coup, il n'y a plus de solidarité. D'un coup, ah ben moi je ne le connais pas, Et c'est l'application de la loi. Et tu les sors tous. Et s'il y a quelqu'un qui dit, ouais, va te faire enculer, connard, touche pas ma soeur, etc. Ah, outrage, rébellion, Finalement, là, tu l'emmènes pour arriver au pouvoir pour appliquer les lois strictement. Et simplement les lois. D'ailleurs, c'est les lois. Outrage et rébellion, incitation à la violence, tentative de meurtre, sont des. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'état d'urgence. Et là, je vais dire une chose, et quand on dira on n'a plus qu'à faire une loi, dire que la responsabilité pénale est civile jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire que quand ton fils se brûle une voiture, fait un graffiti, oui, c'est faute toi des parents. Qui paye. Tu vas voir que les parents, d'un coup, ils vont rentrer à 7h, toi, connard. Ça coûte. Simplement. Il est évident qu'avant même de parler de possibilité de réémigration future, le simple fait qu'un régime autoritaire arrive au pouvoir et applique les lois changerait la vie des gens. Sans concession, pas autrement. C'est un crime, c'est un crime. D'ailleurs, nous avons un régime autoritaire qui fait des lois d'exception. Là, nous l'avons, c'est faux. Il faut simplement un régime normal, une république normale,
une hyper république, c'est tout. Oui, je voilà, vraiment simplement ça. Et là, je vais dire une chose, ça va. Ah oui, ça va râler. Mais les gens vont dire ouais, mais il y a des émeutes. Comment? Ah, non mais comment tu te permets de dire ça? Alors en fin de compte, les voyous, parce qu'ils sont encore plus dangereux, ils vont mettre à les... Non mais, eh ben fais-la ton émeute. Ah, oui, oui. Et tu vas les avoir les flics. C'est déjà le bordel. Les gens veulent pas la révolution pour changer ça. C'est incroyable. Oui, non, oui. Ouais. Point, c'est ça. Ouais. Voilà comment on peut. Déjà, c'est le premier point. Toi, tu vas le péter. Mmh. Et d'un coup, ils vont se dire ah putain, la France, elle est là, la France. Mmh. Les pompiers, tu les pètes pas. Ouais. Les flics, tu y touches pas. Tu y touches pas. Quand tu touches un flic, d'ailleurs, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu qu'on avait brûlé vif. Ouais, ouais, terrible. C'est terrible. Ce sont des gens qui font leur boulot. Tant qu'un policier fait son travail, t'as convenablement, t'as pas à critiquer. Si tu le fais pas convenablement, il y a des services pour ça, et tu peux faire des manifestations, là t'as le droit. Mais là, t'as pas le droit de faire ça. On est dans la barbarie, on est ailleurs. On est dans la négation de l'État. Là, on touche la France. Oui. Enfin, ça, ça, il faut... et pourtant, j'ai subi la violence policière, les persécutions oui, policières, oui. Mais je sais ce que, faire la différence. Mmh, bien sûr. Parce que justement, j'ai la notion que t'as. Alors, penses-tu que même dans la violence, il est nécessaire de garder une attitude morale? Je vais m'expliquer. Je t'ai entendu dire dans une vidéo que tu regrettais d'avoir giflé quelqu'un devant sa mère parce que ça l'avait humilié. Et je trouve ça assez touchant. Ça nous ramène, je crois, une phrase de Mussolini qui disait que la violence n'est pas toujours immorale. Alors, quand est-ce qu'elle l'est? Quand est-ce que la violence est immorale pour toi? C'est vrai que c'est un peu une question un peu philo, quoi. Ça part loin, quoi. C'est-à-dire, plus concrètement. Ben, je veux dire. Les gauchos critiquent souvent la violence qu'il y a en nous, soit réellement, soit qui est potentiellement en nous qui va surgir. Alors déjà, bon, ouais. On va le faire plus largement. Ouais. La civilisation est une violence. Ouais. C'est, et d'ailleurs, une fois que la civilisation se construit par la violence, et une fois que la civilisation est faite, elle a le monopole, l'État, la société a le monopole. C'est ça qui doit être. Mmh. Ensuite, quand des épiphénomènes de violence sporadique, un type qui met une gifle au coin d'une rue, un coup de boule dans un bal, c'est pas de la violence, c'est rien. Ouais. C'est pas grave, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Je m'explique pourquoi, quand on critique la violence, tu t'imagines quand même pas que l'homme dans sa caverne, il a pas commencé par. Non, mais c'est évident, là, tu prêches un converti. Mais... Voilà, dompter la vache et le chien. Ouais. Hein, donc, violence sur les animaux, ouais. Violence sur les céréales et autres machins, hein, violence sur le voisin. Mmh. Et maintenant, on va avoir des violences, on va violer le territoire de Mars, peut-être, et on en a déjà fait sur la Lune. Ce n'est que violence. Ouais. Et même, quand la société a commencé à être agricole au néolithique, on a fait la violence de garder la femme pour être sûr d'avoir des enfants qu'ils pouvaient cultiver. Je vois ce que tu veux dire. La violence est inhérente à la création de quelque chose parce que tu l'imposes. D'ailleurs, la création est une violence en soi, une violence intellectuelle. Ouais. C'est ça la violence dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'il faut tuer des gens, etc. Ça n'a rien à voir intellectuellement. C'est un moteur énorme. Les grands poètes sont des violents, mais ils se battent pas au coin des rues, c'est pas les serial killers. Ils ont une violence en eux qui crache. Pareil, quand on regarde un Van Gogh, c'est une violence. Ouais, quand on regarde un Gauguin, c'est une violence. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, voilà, nier la violence. Alors, parfois, la révolution, on dit oui, mon Dieu, ils se battent, c'est méchant. Oui, mais quand tu as enlevé tous les moyens d'expression. De ta colère ou de ton juste ressentiment. Ouais. Il te reste quoi? Si tu parles, on ne t'écoute pas. Pas de journaux, pas de télé. Tu n'as pas le droit d'écrire. Ben, à la fin, il te reste tes points pour parler. Ouais. C'est un moyen de communication. Les sans-culottes, quand ils prennent la Bastille, ou quand en vérité, ils font surtout les événements de la prise des Tuileries. Ouais. C'est un acte politique. Quand les femmes vont demander du pain à la reine et au roi, c'est un acte politique, c'est une violence. Parce qu'on les a jamais écoutées. Ouais. Hein? 1917 est une violence parce qu'il y a une raison. Ouais. C'est pas. Alors, bien sûr, parfois les diriger, alors il faut faire attention quelle est la direction. Ouais. Mais sinon, on peut pas nier le caractère civilisationnel de la violence. Mais une fois que la civilisation est faite, il faut que le monopole de cette violence soit faite par l'État. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Ah, voilà.
Et puis arrêter de brimer l'homme pour de bagarres et trauma et une engueulade dans le métro. C'est rien. Oui. D'ailleurs, l'homme, il a le droit d'être un homme, hein, comme la femme, c'est, quand je dis l'homme, l'être humain, il a le droit d'exprimer de temps en c'est temps. C'est dans la nature de l'homme que d'arriver. Voilà, c'est pas grave. Ok. Là, j'ai une question qui est différente. C'est vrai qu'elle est pour une question finale, elle est peut-être un peu extrême, mais est-ce que pour emporter l'adhésion des foules, à ton avis, un mouvement politique doit intégrer la dimension religieuse à son corps doctrinal? Est-ce que le nationalisme peut triompher sans foi, à ton avis? Ben, on va répondre historiquement. Ouais. La France, en 1848, la République a pris le pouvoir. Ouais. Elle donne au curé l'instruction élémentaire. Mmh. Avec le communisme, le scientisme, l'évolution des mœurs et des ouvriers, on s'aperçoit qu'ils ne croient plus du tout en Dieu. Mmh. Alors, on donne l'éducation. L'instruction devient publique. Oui. Et on donne un nouveau Dieu, la patrie. Oui. Quand, en 1940, Pétain veut remettre... parce que lui, il est 1856. À l'époque, c'était comme ça. Il est né en 1856, oui. Oui, on l'a éduqué comme ça. Il veut remettre la religion, il parle à un peuple, parce que je parlais avec d'autant plus de certitude que ma mère est née en 1930. Mmh. Mmh. Donc, elle a connu la France des années 40. Ouais, ouais. Elle a connu le régime de Pétain. Ouais. Elle a connu tout ça, la guerre, etc. C'est en ça que les personnes âgées sont magnifiques. C'est que ce sont des grands livres d'histoire. Mmh. Eh bien... Écolière, en plus, elle est née en 1930, donc elle a connu... Bien sûr, elle a tout connu. Mmh. Eh bien, on allait se faire baptiser, on se mariait à l'église, on mourait à l'église. Mmh. Mais le dimanche, c'est les bonnes femmes qui allaient à l'église et les bons hommes, parce que ma mère était de Toulon, buvait le pastis en face en rigolant. Oui, oui. Donc, déjà à l'époque, c'était... déjà pour motiver les gens, c'était plus Dieu, c'était la patrie. Alors on peut revenir en arrière. Le français à l'heure actuelle, il en a rien à foutre, il ne mange pas de poisson vendredi. Mmh, c'est certain. Bon, alors tu vas dire, il faut manger du poisson et la France sera sauvée. Hein? Ouais. Ben quoi ? Il va rigoler. C'est fini. J'ai pas dit que c'était pas un chemin, que les gens... Parle avec les gens. Ils sont moyennement croyants, mais très peu pratiquants. C'est pas... Mais les gens intelligents ont compris tes mots. Il s'agit pas de critiquer la spiritualité des gens qui croient. Ouais. C'est de dire que politiquement, à l'échelle de masse... C'est fini. Ouais. C'est fini. C'est un combat obsolète. En vérité, la grande force du monde musulman en termes religieux... C'est simplement parce qu'il est. Il y a des gens qui tirent les ficelles derrière, qui leur donnent les moyens, qui sont les moyens politiques simples. Mmh. L'Arabie Saoudite, le Qatar, sûrement les États-Unis, certains disent Israël, j'en sais rien. Mmh. Et pareil, pourquoi pas les Russes d'un côté qui s'en servent pour un autre moyen, les Turcs pour d'autres moyens. Voilà. Mmh. Ça, c'est des trucs politiques. On leur donne les moyens. Oui. Mais en vérité, si on a... c'est cynique ce que je veux dire, mais le monde musulman. Depuis longtemps, c'est le cocu de l'histoire. Ouais. Tout le monde se bat chez eux pour leur pétrole, tout le monde se fout de leur gueule, on pète leur pays, on les ramène, on le découpe, on les découpe au couteau, après on va dire non, on va le faire comme ça, on va virer Kadhafi, mais c'est l'horreur en vérité. Mm. C'est pas un continent, c'est un damier ou un échiquier. Mm. Voilà, je suis pas convaincu. Qu'ils soient responsables de leur propre vie. Ils sont complètement manipulés, c'est une horreur. Et là, on a monté la religion à un moment, comme on remontera à autre chose. Évidemment, on l'a subi. Et ceux qui le font, ils croient. Je n'ai pas dit que les gens de Daesh ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient. Mmh. C'est évident qu'ils y croient. Bien sûr. Ouais. Mais il y avait la bande Abadère, elle y croyait. Ouais, et il y avait Carlos qui y croyait, et ils étaient soutenus par les pays, puis quand ils n'ont plus soutenu, et ben Carlos est en prison, et Bader s'est suscité d'une balle dans la nuque. Ouais. Voilà, il faut remettre ça... Ce que je veux dire sur la religion, c'est que c'est une force motivationnelle, on le voit chez les musulmans. Oui. Alors à présent qu'il n'y a plus de pratiques religieuses en Europe, est-ce que le nationalisme peut devenir religion en soi, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, en vérité, je pense que...
Il faut, oui, mais si on fait comprendre que la nation est un vrai garant des droits, ouais, que c'est un protecteur et que c'est quelque chose qui peut être progressiste, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on protège qu'on n'est pas ouvert, ouais, oui, parce qu'on a affaire quand même, surtout en Europe, à des gens qui sont, j'ai vécu à l'étranger, qui sont une éducation supérieure, hein. Mmh. Et les Français d'autant plus. Parce que j'ai vu qu'à l'étranger, le français est un animal politique. Oui. Moi, ça, c'est vrai. J'ai la culture des bars, c'est pas une référence pour l'intelligence, mais quoique, j'ai été dans des bars en Angleterre, tu parles de quoi dans un bar, autour d'une bière, autour d'une pinte? De femmes, de sport, voiture, de sport, ouais, musique, vacances, ouais, argent. Ouais. Et j'ai parié politique, tu sais ce que m'a fait l'anglais, il a éclaté ma carrière. C'est vrai, c'est fou, parce qu'on est tellement habitué à parler politique en France tout le temps. Mais bien sûr. Moi, partout où je suis allé, personne ne parle de politique. Je arrive à 10h du matin dans un bar de pochetron. Le mec, il a le pif comme ça. Il est déjà au Beaujolais. Il va te parler de tiercé, hein. La meuf, elle a un bon cul. Elle n'a pas de boulot. Et politique. Ouais, Hollande, t'as vu. Ça y est, bam. Oui, c'est vrai, ça. Le français, c'est un animal politique. Ouais. Donc c'est spécial. J'ai vécu au Salvador, j'ai vécu en Lituanie, j'ai été au Liban, j'ai été en Russie, j'ai fait des pays, hein. J'ai discuté avec des gens, j'aime bien ça. Je me suis aperçu que, à part les Russes, qui ont une conception très française. Hein, oui, oui. C'est il y a une accointance culturelle entre la France et la Russie. Je trouve, ouais, ça m'a étonné parce que je ne savais pas. Je l'ai découvert. Et ils ont une façon, ils sont très politiques aussi. Et ben c'est tout, hein. Les autres, ils sont en Lituanie, ils n'ont rien à foutre. Oui, c'est clair. D'ailleurs, on l'avait dit, et c'est comme ça que j'ai compris aussi ça, parce que les choses, on les comprend en les subissant de façon empirique. Je parle avec des Lituaniens, grands, blonds, costauds, machin, ils disent, ah, nous, on respecte beaucoup les Français, je dis, tiens, parce que... ah bon, pourquoi? C'est étonnant. Que... non, actuellement, mais... en tout cas, on a de quoi se poser des questions. Quand on voit Hollande, comment on arrive à respecter un pays? Alors, faut longtemps pareil. Mais, c'est sûr. Même physiquement, il est quand même plus proche physiquement de Funès, en moins drôle. C'est vrai. Et, voilà, non, mais c'est pas Alain Delon, hein, physiquement. Hein. C'est pas la carrure du bonhomme. Quoi. Voilà, c'est pas Belmondo. Bon, je parlais en acteur. Oui, oui, non, mais. Du reste. Et bien, parce que vous, en France, quand quelque chose vous plaît pas, vous allez dans la rue. Ouais. Nous, à l'Est, on ferme notre gueule. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut casser la France. Là, c'est ce que je disais au début, on va faire la boucle, hein. La France est un pays très important parce que c'est le pays qui, dans le monde, crie, oui, et se bat pour la liberté de tout le monde. Ce que tu dis est très vrai. Moi, ouais, je sors avec une femme de l'Est et c'est vrai qu'entre copines, je ne les vois jamais aborder des sujets politiques de leur pays. Ça, dès que moi, j'essaie d'en parler, ça les gêne. Ouais. Moi, j'avais une copine qui était tunisienne. Elle dit, nous, quand on est en Tunisie, on ne parle que dans les... On ne parle... Ouais. Que dans les salons de coiffure, parce qu'on n'a pas le droit de parler entre femmes, et on ne parle pas de politique, très peu. C'est pas possible. Ouais. C'est pas dans leur culture. Nous, on l'a. Et c'est en ça que c'est important, là. Et c'est pour ça qu'en 1944, les Américains, quand ils nous ont libérés, voulaient nous couper en trois régions, ils voulaient nous occuper, en vérité. Et on critique dans le milieu nationaliste de Gaulle, mais c'est lui qui a empêché ça. Oui. Il y avait déjà une monnaie d'occupation qui était faite, une espèce de dollar français. On était complètement niqués. C'est lui qui a réussi à empêcher ça en magouillant, en négociant avec les communistes, etc. Il l'a fait très finement. Si c'est pas un grand stratège, c'est un très grand stratège politique. Pas un grand stratège militaire, c'est un très grand stratège politique. Mmh. Il nous a mis dans le camp des vainqueurs complètement. Ce qui n'était pas... C'était pas gagné, quoi. C'était pas gagné. Mmh. Non pas qu'on ne se soit pas battu avec les forces françaises libres. Mais c'est que... le gouvernement de Vichy collaborait avec l'Allemagne, et donc on pouvait, d'un certain côté, dire qu'on était du côté des perdants. Ouais. C'était très très difficile. Toi, il a fallu basculer, c'est très intelligent. Moi, c'est du pragmatisme, on en pense qu'on en veut, hein, mais bravo. Ouais. Ah, et pourquoi on voulait péter ce pays-là? À cause de ça. Parce que cette idée de la France, de la liberté, qui a donné d'ailleurs la nation américaine, ouais, parce que le héros de la révolution américaine, c'est pas Washington, hein, c'est Rochambeau. Hein. Mm. Ah. Et d'ailleurs, il est tellement grand, Rochambeau, parce que c'est ça, l'honneur. Quand il y a la bataille de Yorktown, qui est la grande victoire, grâce à la flotte française, hein, ouais, et à l'armée française, c'est que ça. Ouais. Et quand
le général adverse tend son épée, il attend Rochambeau. C'est Rochambeau qui dit non, donnez-la à Washington. Ouais. Ça, c'est la grandeur de la France. C'est que ça, la France. Ouais. C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle gagnait partout. Et c'est pour ça que maintenant que c'est le monde mesquin de l'argent, il y a beaucoup plus de difficultés. Mais c'est pour ça qu'on veut écraser la France, parce que Léon Aligné, c'est la France qui a été champion de l'Aligné. De Gaulle voulait faire une politique entre l'URSS et l'USSR, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui a amené face aux USA un bateau de guerre pour récupérer notre or à New York. Qui a fait ça? C'est la France. Qui a contre-attaqué quand on attaquait la France, qui s'est permis d'aller jusqu'en Amérique pour dire « Vive le Québec libre », qui serait un pays français aux États-Unis, c'est-à-dire que de faire un débarquement politique chez l'ennemi, parce qu'à l'époque l'impérialisme était américain. C'est encore De Gaulle, c'est la France encore qui faisait peur à l'Amérique. Il y a une culture de la soumission. Mais oui, et ça c'est génial, et c'est ça qu'il ne faut pas écraser. J'ai une dernière question, Serge. Quel est ton point de vue sur la question raciale? Je donne un exemple. Par exemple, moi, je reçois beaucoup de mails de jeunes blancs qui me disent qu'ils sont malheureux parce qu'en classe... Je reformule ma question parce que ça a coupé. Je vais te demander rapidement ton point de vue sur la question raciale, parce que moi, je reçois beaucoup de mails de jeunes blancs, de jeunes français blancs, français de souche, européens, qui me disent qu'ils sont malheureux en cours parce qu'ils sont entourés de camarades extra-européens qui n'ont pas leurs aptitudes et qui donc les ralentissent dans leur apprentissage. En tout cas, c'est ce qu'eux me disent. Ma vraie question, c'est ça. Est-ce que le tabou racial, c'est pas le dernier truc à faire sauter un peu dans le milieu même nationaliste? J'ai l'impression que c'est encore un tabou. Pour parler sur les écoles, de toute manière, on cherche par tous les moyens à baisser le niveau intellectuel et culturel de tous les peuples. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une raison politique, toujours. C'est politique. À la fin du 19e, début du 20e, on dit on va éduquer les masses, comme ça ils vont comprendre. Quand on les a éduqués, ça a donné quoi? Les fascismes et les communismes. Oui. Et des idéologies de masse. Oui. Le peuple a commencé à prendre conscience de ce qu'il était. Oui. De manière ou d'une autre. On pense comme on veut toujours. Moi, je suis froid. Ah, ça a fait peur aux gouvernants. Oui. Donc, on s'est dit, mieux vaut qu'ils mangent du hamburger avec du sucre, ça va le calmer, et puis qu'ils regardent des dessins animés. Ah, et puis on va le déculturer, l'acculturer, comme ça, pendant qu'il s'occupera de savoir qui a été transféré de telle équipe à telle autre, il n'emmènera pas le monde. Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est tout. Et d'ailleurs, on n'éduque pas les gens, parce que quel est l'intérêt d'éduquer quelqu'un pour qu'il consomme et qu'il travaille en silence? Voilà pourquoi, c'est tout. Oui, tu veux dire qu'en fait, le vrai problème est à voir en amont, c'est-à-dire pourquoi on cherche à créer des idiots, en fait. Ah, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, bien sûr. D'accord. Bah écoute, Serge, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci de m'avoir permis de parler. Oui, j'espère que c'est bien passé pour toi et je te dirai quand ça sera diffusé. Avec plaisir. Merci à mon public, merci encore pour vos tips, pour vos dons et merci à tous. J'espère que cette émission vous aura plu. À très bientôt.